exercise for adapting to the world. Business, comment ça va? Est-ce que t'as passé une bonne semaine? C'est une semaine de vacances en plus, ça doit être bien. Ça va être cool une semaine de vacances. Non? Je sais pas si y a d'autres personnes qui sont là, en tout cas, bonsoir tout le monde. Du coup, bah oui, j'ai pas fait de live mercredi, je m'étais dit peut-être, mais en fait non. Finalement, ça allait pas. Je vais bien être... Non, ça va pas, il fait trop chaud! Moi, vous avez de la chaleur? Moi je dis, il est très bien l'automne au Royaume-Uni, hein. Bon, c'est juste bizarre que les feuilles, elles tombent pas encore, mais... Non, je crie, il doit faire 23 ou 24 degrés aujourd'hui, c'est... Je vous assure, on va être en automne puis en hiver et on n'aura pas vu la différence. Non, après, plus sérieusement, oui, je pense que s'il fait genre 35 degrés, c'est pénible aussi, on est d'accord. Dimanche, il prévoit 29 degrés. C'est tolérable. On va dire que c'est tolérable, mais tout juste. Moi, je suis bien à 26 degrés. 26 degrés, c'est juste... juste cool. Oh, pardon. Ça y est, c'est la fin de la semaine. Je viens à peine d'arriver, je suis déjà en train de bailler, là. Mamie qui va aller au lit avec sa tisane. Pas comme l'année dernière, il faisait 34 degrés. Oui, oui, c'est vrai que... bah, nous aussi, l'été dernier, il faisait quand même vachement meilleur. Salut Wasbin, comment ça va chez toi? Et hey, du coup, tu n'arrives pas à la fin du stream. Cette fois, ça va. Et je sais plus du tout ce que je voulais faire dans le stream ce soir, mais je pense qu'il va y avoir du platforming, genre j'ai un truc à aller récupérer à Nid Profond et je suis pas encore allé chez Cheo. Rappel, toujours pas allé chez Monsieur Cheo. Donc peut-être faire ça aujourd'hui. Bah ouais. Enfin voilà, et j'espère ne pas finir aussi crevé que j'étais mercredi, juste pour ça que j'ai pas streamé, parce que je suis rentrée chez moi, j'étais à l'arrache et tout. Je me suis dit, j'ai même pas bouffé, et je me sentais juste pas quoi, j'ai pas d'énergie. En hiver il va faire 47 degrés, on va rien comprendre à nos vies, et j'espère qu'il fera pas 47 degrés, parce que s'il fait 47 degrés sous nos latitudes, y a beaucoup de choses qui vont crever. Hein. C'est genre des cultures, des trucs comme ça quoi, donc ça va... Le réchauffement climatique n'est pas une légende, mais bon, il y a beaucoup de gens qui s'en foutent, malheureusement. Hélas. Enfin. 47 degrés, on va comprendre que le réchauffement climatique, c'est de la merde. Ouais, c'est ça, c'est ça. 47 degrés, honnêtement... si la planète est à 47 degrés en moyenne... on va mourir de faim en fait. C'est tout ce sur quoi on repose niveau agriculture et tout, ça va crever. Et il va y avoir de sacrés problèmes. Parce que déjà, ne serait-ce que 2 ou 3 degrés de différence. Puis moi, il y a certaines choses. Quand j'étais gamine, rouler en bagnole sur l'autoroute, vous aviez des insectes partout sur le pare-brise quoi. Maintenant, j'en ai plus. Enfin, évidemment, j'ai pas de voiture ici, mais quand je rentre en France et que je conduis. Il y a plein de machins, on se dit, ah ouais, tiens, c'est marrant, il y a 20-30 ans, on avait ça. Quand j'étais gosse, il y avait ça. Maintenant, il n'y a plus. Et tu dis... Alors, c'est à la fois bien,
Parce que par exemple, voilà, il n'y a pas de moustiques, tout ça, et en même temps, tu te dis, mais ils sont passés où les moustiques, s'ils sont plus là, il leur est arrivé quoi? Et il y a quoi d'autre qui a disparu avec les moustiques? Donc c'est un peu... Hein, il va faire environ 1 ou 2 degrés, ou même moins 3 degrés. Ouf, oui, en hiver, oui, on en est pas là, croisons les doigts. Et je crois d'ailleurs que le Covid, avec tous les confinements, au moins on n'est pas sorti pour polluer, donc ça a un peu aidé quand même, mais tout juste. Allez, on commence toujours avec des sujets vachement joie, on s'enjaille et tout, hein, c'est trop bien ça. Et je voudrais faire des soirées just chatting déprimantes, j'y arriverai pas. Automne vers les 13 degrés, ouais, ça y a des chances. En début octobre là, tranquille. C'est bien les débuts des lives de Nao, mais ouais, mais trop, c'est... Et je me dis, ah ouais, c'est bien, je live, il y a bonne humeur et tout. Ouais, alors le Covid, et puis le réchauffement climatique, et puis les gens qui meurent, et la famine, et il n'y a plus d'insectes. Et... Ok. Mais bon, on n'a pas d'épisode de Louis ce soir, il me semble, parce que Azela est encore en train de travailler dessus, donc... Eh ben, du coup, je suis déprimée, donc je parle d'un truc déprimant. Non, je plaisante. Non, bon, après, voilà, plus de façon plus générale, j'espère que vous avez tous passé une bonne semaine. Je crois que c'est passé à la vision d'amusement. Ça dépend pour qui. Il y a des gens, je pense, secrètement, ils apprécient le malheur et tout ça. Mais bon, non, sérieusement, c'est vrai que c'est pas très joyeux. Donc, c'est fou. Mais bien, si vous me voici bien plus positif grâce au début de ce stream. Est-ce que c'est du sarcasme ou pas? C'est une bonne question. Non mais regardez, il y a du soleil. La preuve, on voit la lumière là. Là, vous la voyez, les reflets du soleil? C'est du soleil en Angleterre, ça se fête. Hein. C'est... Bon, je parie que demain, il va flotter quand je pars pour ma balade du week-end, tout ça, évidemment. Mais bon, ça c'est autre chose. Ça c'est la loi de Murphy. Ah, j'ai perçu qu'il n'y aura pas trop de merde au boulot qui vont m'attendre pour quand je reviens lundi matin, parce que cette semaine, c'est aussi pour ça que j'étais complètement crevée, quoi, entre le fait d'être malade et puis le fait d'avoir cette charrette au boulot. Oui, j'habite en Angleterre depuis quelques années maintenant. Je trouvais que en vrai, la France appuyait, alors je me suis cassée. J'ai passé une bonne semaine, même si c'est passé à 2 à l'heure à cause de la chaleur. La canicule va bientôt arriver, cette canicule. Tu veux vraiment qu'elle arrive, la canicule? Je sais pas, si elle venait pas, ce serait mieux, non? Ah, mais... Ah, moi, je vais peut-être avoir des congés, mais genre fin août, donc je sais pas s'il fera encore vraiment beau ou pas. La peur de la canicule, ben... Ah, c'est très désagréable, hein, faut dire ce qui est. Quand tu sors et puis t'as l'impression que la chaleur, elle te... Que tu te prends 2 jets de gravité, en fait, non, c'est juste la chaleur. C'est extrêmement désagréable. Mais pour moi... Ce qui est quelque part pire, c'est que plus il fait chaud, plus il y a la clim partout. Et la différence en degrés entre la chaleur dehors et la clim dans les magasins, tu prends 15 degrés de différence. Et en fait, ben moi je tombe malade tout le temps, quoi. Donc c'est assez rigolo parce que je suis en été. J'ai toujours une espèce de petite écharpe, alors en tissu léger, hein, c'est pas une écharpe en laine et tout. Mais j'arrive dans le magasin, c'est... Hop, je sors l'écharpe, je la mets, je sors le pull du sac, je mets le pull. Puis il y a tout le monde qui est en t-shirt, qui me regarde genre, mais c'est quoi ce débile là et tout. C'est non, c'est parce que j'ai pas envie d'attraper froid. Et si je le fais pas, j'attrape la crève régulièrement. Donc, alors je sais que scientifiquement, le courant d'air ne donne pas la crève. Mais enfin bon, c'est quoi ça, 1,4 de points de chaîne, ça en a l'air John Cena, si tu veux. Mais garde des points pour soumettre des suggestions de raid parce que... Comme il y a plus de gens qui en font, je vais le faire au point de chaîne, je pense. J'avais déjà mis une petite récompense, mais c'est pas très cher, c'est 500 points, je crois. Tiens, attendez, je vais regarder. J'espère que je l'ai pas mis accidentellement à 5000. Je vais vérifier, parce que je suis foutue d'avoir fait ça mal. Je me connais. Ah, je l'ai mis à 1000 points quand même. Oh, attendez, on va le mettre à 500, parce que... Voilà, ça c'est plus histoire que les gens se tapent pas dessus, quoi. Coucou Clémence, comment ça va? Comment ça va depuis? C'était quand, hier ou à... C'était hier? C'était avant-hier? C'était mardi? Ah, je sais plus. J'ai plus de perception du temps, c'est juste horrible. Voilà, ouais, suggérer un raid, je l'ai mis à 500 points, parce que ça va. C'est...
Il au même prix que le arrête de chouiner et le étire-toi. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais encore raconter avant qu'on commence? Ah ouais, toi, hier, moi non plus, je suis en vacances, aucune notion du temps. Ah, moi, je suis pas en vacances, mais comme toutes les journées se ressemblent au boulot, à savoir, il y a plein de taf. Au bout d'un moment, je sais plus qu'est-ce que j'ai fait. Alors, lundi, j'ai fait des tickets, j'ai eu des appels. Mardi, j'ai fait des tickets, j'ai eu des appels. Hier, j'ai fait des tickets, j'ai eu des appels. Aujourd'hui, pareil, donc je fais... En fait, il y a tout qui est pareil, quoi. C'est horrible. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui! Alors, j'ai mis des petits niveaux pour les levels avec Wisebot. Je les ai un peu personnalisés. Alors, je suis plus partie sur le thème des flammes, par rapport notamment à mon avatar, plutôt que les trucs spécifiques à Hollow Knight, parce que Hollow Knight, je vais pas y jouer pendant 4 ans. Donc, vaut mieux que ce soit plus générique à la chaîne et pas spécifique à un jeu. C'est quoi mon métier? Je suis ingénieur réseau, donc je fais le support pour les clients à qui on conseille des solutions réseau. Et puis bah des fois, des trucs qui marchent pas, genre ouais, nos appareils n'arrivent pas à se connecter au wifi alors que tout le reste fonctionne. Donc moi je prends leurs appels, je les écoute chouiner 5 minutes et puis après je les aide. Voilà. Et comme ça j'ai mis des petits levels là. Je sais toujours pas à quoi ça sert, c'est juste rigolo. Hein. Voilà, c'est pour... Ouais, je suis level 80 sur la chaîne, yes! C'est plus dans ce... J'en ai pris certaines. J'en ai pris certaines, mais pas toutes. J'ai fait un petit peu un mélange de plusieurs choses. Sinon, oui, Luna, justement, pour l'histoire d'événements, je pense que je vais peut-être faire un salon événement comme ça. Si les viewers, en général, veulent se faire un petit event ou un truc comme ça, on peut le centraliser. En fait, la raison pour laquelle j'essaye de pas, de limiter le postage d'images à certains salons uniquement, c'est parce que, et ça c'est déjà arrivé plusieurs fois et ça arrivera encore, notamment chez les streamers, quand vous avez un serveur Discord, tôt ou tard, il y a des cons qui viennent essayer de mettre la grouille. Et notamment, il y a des streamers et des streameuses qui se sont pris des raids comme ça, de gens qui sont venus poster des images, mais du style des enfants décapités, des femmes qu'on viole, des trucs trouvés sur le dark web, hein, vraiment des choses vraiment, vraiment lourdes. Et le truc, c'est que si je limite le post de photos et d'images à genre deux salons, par exemple, s'il y a jamais le jour où il y a un truc comme ça, c'est facile à verrouiller et ensuite on peut faire le nettoyage tranquille. Alors que si tous les salons sont atteints, limite il faut que je désactive le serveur le temps de nettoyer et ça c'est déjà un petit peu plus embêtant pour la communauté légitime. En fait c'est juste pour ça. Mais ouais, je pense que je vais mettre un salon événement. Je l'ai pas fait là maintenant évidemment, mais je vais voir. Il faut juste que je regarde par rapport aux permissions que je me plante pas. Mais c'est vrai que ça peut être sympa. Parce que je me dis, toi t'as envie de faire un petit event basé sur des images. Comme c'est un petit peu, je vais pas dire une espèce de jeu de piste, mais c'est un peu le principe avec des indices. Peut-être qu'un jour quelqu'un d'autre voudrait faire quelque chose de similaire. Donc ça peut être sympa dans l'espace de la communauté vraiment. Pour que vous puissiez organiser des trucs. Et puis le jour où moi je fais des giveaways par exemple, je vais peut-être les mettre là-bas aussi. Enfin, ça reste un événement. Hein. Donc pourquoi pas. Ah, par contre, avec moi, faut pas être pressé, c'est-à-dire, faut pas vous attendre à ce que 5 minutes après la fin du stream, ce soit déjà implémenté, hein. Je vous préviens. Je suis assez crevée en ce moment, notamment avec le boulot, et c'est vrai que je suis un peu en vitesse de croisière et pas en plein pot, mais bon. J'espère que ça ira mieux quand on est en train de former plein de personnes, justement, pour... On a recruté du personnel, donc d'abord il faut le former, et c'est aussi un des trucs qui est fatigant parce que je fais une partie des formations, donc c'est assez, assez intense, pour eux aussi d'ailleurs, surtout pour eux. Mais ouais, c'est ouf. Là je vous avoue, c'est 5 minutes avant la fin de mon shift, j'étais là, je vois qu'il y a un des commerciaux qui a demandé d'escalader un de mes tickets, parce que le client est super pressé. Alors, le client a ouvert le ticket il y a 3 heures. Hein. Enfin, genre en début d'après-midi. C'est pas le truc qui traîne depuis 15 jours non plus. Et j'ai vu ça et j'ai fait... Je vais faire semblant d'avoir pas vu. Parce que si je m'engage dans une discussion sur ça 5 minutes avant, je vais pas finir ce soir. Donc j'ai fait... On va voir lundi matin. De toute façon, c'est pas ce soir que je vais les appeler.
Je vais pas m'épuiser. Ouais, non, mais c'est ça, après. C'est le truc, en fait, faut juste garder à l'esprit que c'est vrai que moi, le stream, je fais ça, c'est mes loisirs. C'est pas mon plan de carrière. Donc oui, j'essaye de faire les choses bien, mais j'ai pas non plus, je ne me mets pas la pression comme quelqu'un qui, voilà, il faut que je récolte tant et tant de subs par mois pour payer mes factures et tout, donc il faut que vite, je fasse évoluer le stream, que je rajoute tel et tel truc, je rajoute des petits bouts par-ci par-là, mais c'est vrai que streamer après stream, ils mettent 2 minutes pour créer un salon traduction pour Naofae. Naofae après stream et 80 heures pour créer un salon. C'est possible que je mette 80 heures. C'est pas impossible. Non, je vais quand même essayer de faire ça avant dimanche. Hein. Mais genre du style, si voilà, on arrête le stream, il est 10h30, on va raid quelqu'un. Moi, je vais regarder le stream de la personne qu'on raid. Je vais pas... voilà, je vais plus faire grand-chose d'autre, quoi. Tu te rends compte, 3 heures, c'est tellement long, les gens qui abusent. Ben, en fait, c'est surtout que quand tu ouvres un ticket par email, si c'est tellement urgent, appelle. C'est si tu t'attends à une résolution comme ça en 30 secondes sur un email, ben c'est que t'as pas compris comment ça fonctionne. C'est ça. C'est parce que faut savoir que les emails, je reçois pas qu'un seul dans la journée. Et si j'ai 30 tickets à régler sur la journée, ben pour les 30 clients, leur cas il est urgent, hautement prioritaire, mission critical, machin. C'est donc oui, au bout d'un moment, si tu donnes la priorité à tout le monde, plus personne n'a la priorité. À chaque palier de niveau, j'ai mis quoi? C'est une bonne question, j'ai déjà oublié. Attends, je vais regarder. Je sais même pas s'il y a moyen de le voir avec une commande dans le chat. Alors, c'est où? Level personnalisé, c'était ça. Alors, donc je suis restée sur le thème des flammes. Il me semble que c'était quelque chose que tu avais suggéré, même si j'ai pas repris les termes exacts. J'ai mis... reflet, étincelle, flamèche, feu follet, flamme pâle, flamme vive, flamme royale et flamme divine. C'est peut-être des choses que je vais changer par la suite d'ailleurs. Hein. C'est pas garanti que je garde ce thème-là. Peut-être que selon, je sais pas, l'évolution de l'overlay, peut-être que d'ici 2 ans, j'aurai une charte graphique qui sera bien différente. Donc c'est... Ça va peut-être dépendre. Mais c'est vrai que j'avais même pas réalisé qu'on pouvait le faire. Comme quoi, je découvre des... 8 mois plus tard, je découvre encore des trucs. C'est magique. C'est absolument magique. Mais c'est intéressant parce que ça veut dire que j'ai pas fait le tour et qu'il reste plein de choses à apprendre. Et ça, c'est cool. Ça, c'est... J'aime bien savoir que quelque part, que je maîtrise pas quelque chose parce que c'est chic, des choses à apprendre. No joke, je savais pas... C'était possible non plus avec mon voice bot, mais ouais, moi non plus. C'est flamèche pour petite flamme, parce que pour rester dans le thème des flammes, et puis qu'au bout d'un moment, je savais plus quoi mettre. J'étais là, je fais, qu'est-ce qu'on peut rester dans le côté un peu la lumière, je sais pas, la petite étincelle, la petite flamme qui grandit, qui prend en lumière, des trucs comme ça. Je dis pas que c'est les meilleurs termes possibles non plus, c'est fort possible, fort probable d'ailleurs, que peut-être dans 6 mois, je vais changer. D'ailleurs, j'ai toujours pas trouvé de nom pour la communauté. Ça m'embête un peu parce que... Vous savez, comme, je sais pas... c'est qui? C'est Ponce qui a les fleurs ou un truc comme ça. Bon, c'est Viewer, c'est les fleurs ou un truc dans le genre. C'est sympa d'avoir un petit nom pour la communauté, mais... Je sais pas trop. À un moment donné, on était parti sur les ombres, hein, parce que c'est l'époque où je jouais à Hadès, donc voilà, aux enfers, les ombres qui peuplent les enfers et tout. Mais j'aime pas trop, parce que ça fait un peu... les viewers, c'est juste des espèces de pâles fantômes, comme ça. C'est pas cool pour les viewers, en fait. Donc j'ai rien trouvé de mieux pour l'instant. Je sais que je suis pas la seule. Hein, c'était quoi sur le stream de Zéro Absolu Gaming? On a passé un stream entier pendant 3 heures. TomTom, il a essayé de trouver un nom, tout le monde qui suggérait des trucs, et on n'a rien à trouver, quoi. On n'a rien à trouver. Et ouais, Lounès, Flamme Pâle, et la suite, le prochain, c'est Flamme Vif, c'est au niveau 60. J'ai repris les niveaux que tu m'avais suggérés, donc 1, 5, 15... 25, 45, 60, 75, 85. J'ai pas mis plus, parce que déjà 85, faut y arriver. C'est... même quand on est là depuis un moment et qu'on est actif, c'est quand même pas... c'est pas direct.
Mais ouais, c'est plus sympa d'avoir des trucs. Je ne sais pas si on peut faire quelque chose avec ces levels, par exemple avec la version payante de Wisebot. J'avoue que je ne sais pas. C'est un des trucs que je prévois d'acheter à l'occasion en espérant qu'ils gardent parce qu'ils ont un abonnement mensuel, un abonnement à l'année et un abonnement à vie qui coûte un peu plus cher, genre 120€. Mais je préférais prendre ça parce que comme ça, j'ai pas besoin de le renouveler. C'est payé, c'est fait quoi. Dans un an, dans 2 ans, dans 4 ans, on sait que c'est là. Mais bon, pour l'instant j'ai pas les fonds, donc ça va attendre encore. Ça va encore attendre jusqu'à ce que je les ai. J'ai pas du salaire du mois prochain parce que j'ai des impôts à payer dessus et je sais pas du tout combien ça va être. Je sais pas si ça va être 100 balles, je sais pas si ça va être 800, je sais pas. Donc je me méfie un petit peu. Là je suis en mode, je bouffe des pâtes jusqu'à la fin juillet, je racle les tiroirs du congélateur. Enfin voilà quoi. Enfin bon. Donc oui, je tâcherai de mettre en place ce petit salon événement, genre demain, hein, pour pas que ça traîne, on est d'accord. Mais je garantis pas que dès la fin du stream, je vais le faire. C'est aussi juste histoire que j'ai le temps de bien tester pour vérifier qu'on peut pas faire de merde avec, quoi. C'est tout. Mais en tout cas, c'est une idée sympa, parce que j'imagine que du coup, Lounès, tu voulais poster des images, genre des screenshots que toi t'as pris, c'est pas forcément des images qui sont sur le net et où tu mettrais des liens, c'est vraiment intégrer l'image dans le post, quoi. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'avais compris. Bon, ben, je crois que niveau annonce, a priori, c'était ça pour ce soir. Je vais éviter de repartir sur un sujet déprimant. Ah si, alors c'est pas un sujet déprimant, quand j'étais off, finalement j'ai fait hier, un petit peu hier, genre 1 heure et puis 1 heure mercredi, j'ai fait un peu de Dead Cells, et je suis arrivée sur le boss de fin. Bon, il m'a complètement il m'a botté le cul, hein, évidemment, mais je suis arrivée sur le boss de fin. Non, pas le variant Delta, pas le variant Delta, sujet interdit. Bah ouais, j'ai un peu joué à Dead Cells, du coup, je suis tombée après les égouts. Je suis tombée sur une zone encore plus enjaillante que les égouts. Ce sont l'ancien réseau d'égouts. Mais qu'est-ce que vous savez avec vos égouts? C'est pas vrai, les niveaux d'égouts, c'est les pires. C'est les pires. Les niveaux d'égouts, les niveaux de lave. Voilà quoi. Bref. Et en parlant d'égouts, le charnier t'a fait... Oui, j'ai fait le charnier. Le charnier, limite, ça va encore. Parce que tout simplement, la couleur dominante, c'est le rouge et j'aime beaucoup le rouge. Et il y a un autre niveau après les anciens égouts, c'est le sanctuaire endormi, où il y a une espèce de switch en fait sur lequel il faut presser. Et le sanctuaire est plein de statues comme ça, en forme d'ennemis. Et quand vous appuyez sur le switch, les statues des ennemis, elles viennent à la vie et puis elles commencent à bouger. Donc, première fois que j'y suis allée en mode « Oh, on va essayer de faire ça vite, super, une zone sympa, flash, 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 ah, je suis morte. » Ah, ok, d'accord. Mais alors c'est vraiment assez marrant parce que le boss de fin, le boss qui était juste avant la tour de l'horloge, je lui ai roulé dessus. Je vous jure, en 1 minute, je lui ai roulé dessus, elle était torchée. Bon, j'étais un sac à PV à ce moment-là aussi avec les améliorations que j'avais trouvées. Et je me suis dit, ah ça va. Puis après je suis arrivée sur le boss des fins et j'ai fait, ah d'accord, il fait des dégâts. Bah bon, on verra si j'y arrive en stream, parce que évidemment en stream je suis toujours moins focalisée, enfin moins concentrée que off. Bah bon, tôt ou tard, je ne désespère pas de vous montrer un truc un petit peu valable. Ou alors je peux effectivement vous montrer les niveaux, genre les anciens égouts et tout, mais par contre comme ce sont des niveaux un peu plus difficiles que les niveaux de base, promenade des condamnés, etc. Bah il y a moins de chances que je finisse une run en passant par là. Mais bon. On verra ça mardi pour la suite de Dead Cells. Là, je vais repartir sur Hollow Knight, la deuxième game. Et je ne sais plus, j'ai fait les égouts. Hein. J'avais fait le bousier vendredi dernier, il me semble. Yes, je crois. J'ai fait quoi? J'avais fait les abysses. Non, mais sérieusement, quoi. Je suis encore au bassin. Ouais. Les abysses, j'ai fait, c'est sûr. J'ai le dash d'ombre. On va vérifier, mais il me semble que j'ai le dash d'ombre. Ouais.
J'ai toujours du mal avec le bouton sur cette manette. Le bouton d'option et le bouton à presser pour avoir les trucs là. Donc les abysses, c'est fait. Les upgrades de sorts, elles sont toutes faites, normalement. Il me manque ça. La troisième technique, celle de Shéo. Donc je pense qu'effectivement, ça va être du vautrage dans les plateformes ce soir, parce qu'il va falloir que je fasse ça. Et il y a aussi l'autre truc, là. Cette partie-là, au-dessus du tram de Nid Profond. C'est comme Quirrell, tu crois qu'il sait rien faire, mais on apprend que c'est un protecteur. Ouais, bah ouais. C'est vrai que Quirrell, ma première game, quand je l'avais vue au début, je me suis dit, ah, c'est un voyageur, c'est un explorateur, c'est un de ces fameux explorateurs dont nous parle l'ancien, qui descendent dans le puits et qu'on revoit jamais remonter. Et c'est vrai qu'il est là, il a un peu son côté... Alors, je ne dirais pas touriste, mais un peu le côté explorateur-archéologue. Il est quand même armé, tout ça, mais il est là devant le temple de l'œuf noir. C'est fascinant, ces anciennes ruines et tout, machin. Et c'est vrai qu'au début, tu sais pas du tout. Et en plus, Quirrell. Alors si, bon, tu devines, si tu fais le rapprochement entre son chapeau et ça, évidemment. Bon. Il est trop bien Quirrell, il a un bon lore, son comics c'est super. Oui, alors le comics il est bien avec l'édition collector, je crois. Hein. Parce que moi je veux trop me la choper, mais j'aimerais bien qu'il restocke le journal du voyageur là sur Fangamer, comme ça je peux faire une commande pour tout. Parce que vu les frais de port que je me tape... L'édition collector, si je l'achète, j'en ai pour plus de 100 balles quoi. Ouais. Ouais, et puis là, c'est ça, tu fais « Quirrell, mon bro, ouais, c'est bien, je suis content que tu sois là !» J'espère qu'on n'est pas en train de spoiler Clémence, par contre, parce que je sais plus du tout où elle en était à ce niveau-là. Donc j'espère qu'on est juste pas en train de te spoiler, si tu es toujours là. Le journal du voyageur, tu peux le trouver en anglais sur un site de hentai. Quoi ? J'ai peur. Alors moi je le veux bien en anglais, hein. Oui, le journal du voyageur, j'exige pas de l'avoir en français, effectivement. Mais c'est, tu veux dire un site de hentai en téléchargement genre PDF hein, ou en format papier à commander. Enfin, éventuellement, mets-le sur le Discord, Wasbin, dans la partie lien, dans le salon lien et je sais plus ce que c'était. Mais mets un petit disclaimer quand même, parce que... un site de hentai. Remarquez, en même temps, personne ira le claimer des copyrights sur ça là-bas. Hein. C'est ton bro du monde, ouais, je suis entièrement d'accord. Bon bah écoutez, je pense que je vais peut-être commencer par... Purée, j'ai oublié les contrôles. On va essayer ça, on va voir si je me vautre dans les ronces comme une grosse bouse. Faut pas changer. Comme à mon habitude, parce que c'est pas parce que j'ai fait une certaine zone bien blanche une fois que... Ah oui, c'est vrai, il y a ça aussi. C'est vrai. Mais je vais quand même récupérer les techniques d'aiguillon. C'est un site de cul où les gens ont mis les pages en anglais. J'y crois pas, quoi. Comme quoi. Eh mais en fait, il suffit que je descende ici, du coup. Ouais, pourquoi ? Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, qu'il faudrait quand même que... J'avais dit que j'essaierais de maîtriser un peu mieux les techniques d'aiguillon. J'ai eu de la chatte sur ce coup-là. Attendez, je vais juste baisser le store. Parce que là, j'ai des vieux reflets sur un coin d'écran et ça me gêne. Voilà. Comment ça se fait que j'ai tellement peu de géo ? On est d'accord que j'ai claqué ma thune, hein. Tu peux aller combattre le seigneur traître, j'ai envie de faire quelque chose... plus tard, là le seigneur traître... plus tard. Mais t'inquiète, j'irai tôt ou tard. J'irai. Non, là le seigneur traître... Mais attendez, il y a de la thune que j'ai ratée là-bas ? Comment on y va là-bas ? Ah, pourquoi je suis jamais passée par là-bas? Non mais oh, les plantes. Non mais oh, mal poli.
Voilà. Je me disais, j'ai pas fait gaffe, qu'est-ce que j'ai comme charme? Sans doute des trucs de base. Des trucs de base. C'est pas les charmes que j'avais pour le Colisée en fait, hein, maintenant que j'y pense. T'as vaincu le gardien enragé, t'as le dachon, t'as assez de masse, tu as tout pour le vaincre. Ah oui, j'ai tout pour le vaincre, mais j'ai moyennement envie de le faire là maintenant tout de suite. Hein. Il y a d'autres choses qu'il faudrait que je récupère. Encore avant. Genre ça. Parce que niveau âme, je trouve que c'est très léger quand même. Je veux dire, juste un réceptacle. Je cherchais s'il y avait autre chose qui a été mis en dehors du journal du voyageur qui a été traduit en chinois. Il y a des images de sexe entre chevalier et ornette. Comment on peut se permettre de dégrader cette personne? Mais... Non, oui, enfin bon. Règle 34, forcément quelqu'un l'aura fait. Mais enfin quand même, c'est un peu... Non. Pourquoi j'ai mis un truc rouge là-bas, moi? Pourquoi j'avais mis un marqueur? Non. Ouais, alors par contre, je veux bien le lien, mais uniquement vers le journal. Hein. Je veux pas le lien vers les images de Hornet et du cheveu. Voilà. Ça faisait longtemps, hein. Non mais attendez, j'ai mis un marqueur là-bas, mais pourquoi? Est-ce que quelqu'un se rappelle? En plus, c'est même pas par ici. Je croyais qu'il y avait un passage, mais c'est pas là. C'est là. Comme, allez voir. Que vers le journal promis. Ouais, merci, c'est gentil, parce que... Il y a des gens sur ce stream, ils sont mineurs. Sur le Discord aussi. Genre mon neveu. Oh, mais attendez. J'ai récupéré la larme. Yes, je peux nager dans l'acide. En même temps, j'aurais pu faire ça aussi. Ah! Ah bah dis donc. Ah bah c'était ça. Ok. Je vais virer le marqueur parce que sinon il va me... Dans vendredi prochain je serai là. Je fais pourquoi j'ai mis un marqueur? Donc je vais le virer. Mais ouais, là je veux récupérer la technique d'aiguillon. Histoire de finir ça. Et puis il faut que j'apprenne à maîtriser les techniques d'aiguillon. Parce que je pense que pour le Colisée 3 dans l'autre partie je vais en avoir besoin. Enfin je vais en avoir besoin. C'est pas une condition absolue, mais avoir un truc de plus que je peux utiliser, c'est quand même mieux, je pense. Bah écoutez, pourquoi y a pas de musique? Bien sûr qu'il y a pas de musique. Évidemment qu'il y a pas de musique, j'avais désactivé pour le Colisée. Je me disais que c'était vachement bizarre. Voilà. Surtout que la musique en plus ici elle est vachement, vachement sympa. J'aimerais bien me faire un peu d'âme. Est-ce que j'aime buter un ou deux trucs pour me faire de l'âme? Parce que tout le monde connaît l'animal, hein. Je t'ai mis en MP, ok merci. C'est gentil. Bah justement, il n'y a pas de merdouille qui traînait là-bas? Y a pas des trucs ici à buter? Vous le sentez que je suis pas confiante dans j'ai pas aucune confiance dans mes skills de platforming, hein. Ah bah toi t'es là, tiens. Voilà. Bon écoutez. On va se débrouiller avec ça. Au pire, si je crève, je perds pas grand chose. Mais ça fait très longtemps que j'ai pas fait cette zone, forcément. Ça s'était pas super bien placé la première fois parce que je suis morte quelques fois, hein, évidemment. Je voulais le mettre dans mes archives, mais je me suis dit que si je clique sur le mauvais endroit, il arriverait sur des scènes de sexe, donc j'ai pas mis. Ouais, surtout sur des trucs publics. Sur un site de hentai, alors ça je serais jamais allé chercher là-dedans.
Ah, fais attention parce que Lunes est mineur, je crois. Mais qu'est-ce que je fais, moi? Purée de carottes. Quoi? C'est quoi le rapport avec la purée de carottes et le comics de Quirrell? Bon, j'ai concentration zéro, hein. Comme vous pouvez le voir. On te l'a donné, sinon t'aurais jamais pensé à chercher là, ouais, tu m'étonnes. Mais non! Je vais crever sur ce truc parce que j'ai plus... Je me rappelle absolument plus... D'accord, c'est immense, ok, il y avait aucun... Je me disais, j'étais... Il y a un lien que j'ai pas compris. Oh, pour Anaï Solaire, merci pour ton raid. Comment ça va? Comment ça va chez toi et tes viewers? Je suis en train de faire de la merde, je m'excuse. Je sais plus ce que je fais. Je fais surtout pas attention à ce que je fais. Mais bon, passons. Bah écoute, ça va. Faut juste que je fasse un minimum gaffe à ce que je fais, pour pas changer. Alors. Non! Je le savais. J'ai aucune concentration, je suis vraiment désolée. C'est pas vrai, mais qu'est-ce que je fous? Ok, je dois pas être très très loin. C'est bien essayé, mais je me suis pas arrêtée à temps. La musique ultra épique pour juste traverser un passage avec des ronces. Oui, je sais. Voilà. C'est un peu mieux comme ça. Je sais plus si c'est comme ça que je dois faire, mais je pense que oui. Bon, ça va, c'était un peu moins catastrophique que la première fois que j'ai fait ce passage, mais quand même. Je vais juste aller ouvrir la sortie avant d'oublier. Y avait pas un truc... une aiguille de masque ou un truc dans le genre? On fait un pas pour 30 secondes et un nouveau passage. Ouais, mais je crois que l'autre, ça va encore. Il me semble que c'était pas le pire. Mais je crois me rappeler d'un endroit où il y avait un... Soit un réceptacle d'âme, soit un bout de masque. Et je sais plus, mais j'ai l'impression de l'avoir déjà fait, en fait. Non, mais là, en vrai, en âme, avec un seul réceptacle, c'est un peu limite, quoi. Oui, c'est vrai, j'aurais pu. C'est vrai, j'aurais pu d'âge cristal. Mais je me serais sans doute pris les ronces. Parce que c'est moi. Oula. Y a pas un œuf rance là ou je sais pas quoi? Ah ouais. Non, en vrai, cet endroit avec le double saut, ça va. Franchement, ça va quoi. Voilà. Pouette Pouette, bonsoir Fantasy, comment vas-tu? Ça va, je suis pas morte en tombant sur les ronces. C'est un exploit. C'est pas faute d'avoir essayé pourtant. Ah, Chéo et son tablier plein de peinture. Chéo que je vais rendre très malheureux sans qu'il le sache plus tard dans le jeu. Un visiteur? Pourquoi t'es-tu glissé ici, petit ver? Peut-être que comme moi, tu as le goût de la découverte? Je suis Chéo et dans une vie antérieure, j'étais le maître d'aiguillon. Oui, la seule chose qui me poussait était de devenir plus fort et d'affiner mon talent avec un aiguillon. Je pensais que c'était ma seule vocation dans la vie, mais ce sentiment a disparu au fil du temps. Maintenant, je suis à la recherche d'une nouvelle vocation, quelque chose qui touche mon âme et me pousse à aller de l'avant. C'est pourquoi je passe tout mon temps ici, isolé, essayant de maîtriser l'art de création. Peindre, sculpter, ces choses procurent un plaisir complètement différent. Tu semblais pas très ému par ce que je t'ai dit. Était-ce Chéo, le maître d'aiguillon que tu cherchais? Es-tu venu apprendre à l'art de l'aiguillon? Je te l'enseignerai si tu insistes. Ouais, je veux bien apprendre l'art de l'aiguillon.
Du coup, ben, Kurenai Solaire, je t'ai pas demandé, désolé, je manque à tous mes devoirs. Vous étiez sur quoi comme jeu? Tu faisais quoi de beau tout à l'heure? Écoute, Fantasy, alors je rattrape le chat. Moi, ça va. Ben, je suis fatiguée par la semaine de boulot, mais rien de nouveau sous le soleil. Je suis pas mort en tombant dans les ronces. Tu es pas tombé dans les ronces, tu as foncé dans les ronces. Oui, bon. Same difference. Chéo et le forgeron sont l'un des deux couples homosexuels du jeu, l'autre c'est Zemer, l'endeuillée grise et la fille du seigneur traître. Oui. C'est... Et du coup, comme là, le forgeron, il faut que j'accède à son souhait, ben... Eh ben, voilà. Mais ceci est une histoire pour un autre moment. Vivement le week-end, ouais. Tu bosses demain, toi, ou t'as le week-end complet, là? En taille implacable. Je sais plus lequel c'est. Bah, c'est celui de base. C'est le seul que je sais utiliser, en fait. Ah, vaguement. C'est moi ou il a parlé de Churros? Ah. Le forgeron est pas en couple, il a juste une nouvelle passion. Étant donné que le succès s'appelle Happy Couple, on va dire qu'il a une nouvelle passion et puis... Enfin, il a une deuxième nouvelle passion, quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'interprète. C'est toute la journée demain. Ah, bon courage. Moi, faudra que je reprenne des shifts le week-end, parce que je suis payée mieux, mais j'ai pas envie. Alors, mon travail t'a-t-il ému? Le maniement d'un aiguillon, le maniement d'un pinceau, ces choses ne sont pas si différentes. Nous nous taillons un chemin dans le monde afin de pouvoir l'admirer plus en profondeur. Pour le moment, je n'ai plus rien à t'enseigner. Le chemin à suivre, toi seul peux le voir. Bonne chance. Je vois que tu as donc fait la connaissance de mon frère Oro et réussi à le convaincre de t'enseigner son art de l'aiguillon. Je ne l'ai pas vu depuis tellement longtemps. Je me demande à quel point il a pu changer. Il semblait toujours être hanté par quelque chose, même si je n'ai jamais pu savoir ce que c'était. Peu importe la distance qu'il existe entre nous, nous sommes toujours frères. J'espère qu'après t'avoir transmis son enseignement, cela lui a apporté un peu de bonheur. Ça lui a surtout apporté des géos à Oro, hein, mais bon, passons. Non, ils sont en couple, c'est officiel. Team Cherry l'a dit sur le Reddit quand on lui a posé la question. Enfin, pour moi, c'était absolument évident qu'ils étaient en couple. Mais après, moi, j'ai facilement tendance à ship, on va dire, tout et n'importe quoi aussi. Donc, ah, j'ai le dos qui me gratte. En vrai, ça te gonfle, Fantasy, je peux comprendre. Je peux comprendre. Puis souvent, le week-end, comme c'est le moment où les autres personnes qui bossent pas le week-end sont dispo, bah, on a l'impression de pas voir ses potes, quoi. Ah, il a pas fini. Tard de l'aiguillon que tu as appris, l'entaille cyclone, c'était le favori de Mato. Cela a dû le rendre fou de joie d'avoir un disciple comme toi. Il a toujours voulu transmettre ce qu'il avait appris à une nouvelle génération. Il était lui-même le disciple le plus habile, mais c'est son enthousiasme et sa gentillesse qui le distinguaient vraiment. Je suis tellement ravie qu'il ait accompli ce qu'il désirait depuis si longtemps, être un précepteur. Ok, bon, mais si on veut, on peut retourner peindre avec... avec Shio. C'est vrai, en fait, j'ai pas envie d'aller dans le temple de l'œuf noir. Je peux pas aller m'installer avec toi. J'irai peindre des machins, là, des... Je sais pas ce que c'est. Un masque d'insecte posé sur une citrouille. Je ne sais pas. Mais t'as jamais posé la question avant, comme j'ai pas tous les trophées sur PS4. Ah, ouais. Bah en fait moi c'est surtout que j'ai eu le trophée au moment où je suis arrivée ici. Et du coup ben comme tu les trouves ensemble, bah voilà quoi. C'est genre ah d'accord, bon bah écoutez, c'est cool hein, tant mieux pour vous, je suis contente. Vous avez vu que j'ai failli me vautrer dans les ronces hein. Ah je me suis améliorée mais il y a quand même toujours des choses qui ne changent pas dans la vie. J'étais sur le point d'aller traverser ça à la mano et en fait non. Finalement non, j'ai pas envie. Mais alors il était où ce bout de masque ou d'autres choses? Bon. C'était un peu anticlimactique comme on dit. Je m'attendais à perdre au moins mourir une fois. Non mais là, n'empêche,
Je sais que j'ai du mal sur le endgame, c'est une vraie purge pour moi, mais je me suis quand même améliorée par rapport au début. Je me suis quand même vachement améliorée. Y a pas à dire. Est-ce que j'irais pas continuer à me faire mal ici? Au moins faire le tram. Y'a quoi là? C'est pareil, ça aussi j'ai mis un marqueur, y'a quoi ici? Je me souviens plus. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que de toute façon j'irai prendre le tram au bassin ancestral? C'est peut-être plus rapide pour aller à Nid Profond. J'ai pas fini les parties là-haut non plus. Là-bas il y a des pipous. Ça je sais qu'il y en a. Le passage pour aller à la chercheuse de Dieu. Je crois que j'ai plus de clé en fait. Mais je me le suis marqué pour y aller. Je me le suis marqué. Ok, normalement c'est ici là où j'ai mis le marqueur rouge. Ah non, oui, non, pardon. Le marqueur rouge, ouais. Ah non, j'avais pas vu effectivement. Je chip les mythes de cristal et les aspides. Non! Non! Je veux pas voir des bébés entre ça! Non! J'ai de l'obligation de vous laisser à plus. Y'a pas de soucis, Wesbin. Peut-être à plus tard si tu repasses. Et puis sinon, bah en tout cas, merci à toi d'être passé. C'est gentil. Et il faut que je finisse de lire. Plus des traduits, fin des du lore là que tu as mis sur le drive, hein. Parce que c'est quand même vachement intéressant. Coucou Pixel, comment ça va? Comment te portes-tu? Purée, mais j'ai trois marqueurs ici. Celui-là, je sais ce que c'est. Le rouge, le orange, je sais plus, et le bleu, je sais plus non plus. Mais genre ah non, le orange si je sais, c'est un truc, un nid de France pour pouvoir me les faire si je repasse aux égouts. Tu savais que pendant que je fais le P5, j'utilise que 2% de ma puissance. Mais que deviennent les 98 autres dans ce cas-là? C'est une grande question. Non, après, comme dit... moi, de toute façon, j'ai jamais caché que j'allais pas faire des performances époustouflantes dans ce jeu. Hein. Mais moi, je suis déjà contente si je le termine. Sachant que c'est pas du tout à la base, j'ai aucune pratique sur ce type de jeu. Que ce soit les Metroidvania ou les platformers. Et que du coup, ben c'est vachement bien d'arriver là. Je dis quand même. Je vais vous souhaiter une bonne fin de live. Il est temps pour moi de manger et déjà préparer le repas. Oui! Bah effectivement, Krintokop, si tu fais pas manger, tu n'auras rien à manger. Donc va préparer ton repas et fais-toi plein de bon manger. J'utilise 10% de ma puissance, je suis au niveau de tous les ennemis confondus. Est-ce que tes cheveux deviennent blonds quand tu fais ça? Est-ce qu'ils se dressent sur ta tête? Viens là toi. Viens là la plante. Voilà. Allez, j'aime faire la purge à Nid Profond histoire que ce soit fait. Ma station cachée. À 30% je détruis tous les panthéons en quelques coups. Et à 40% je vais éviter de sortir des spoilers. Enfin, c'est vrai que Panthéon 3, un des prochains objectifs. Ah, moi je me suis dit, je pense que... Ah oui, on avait, comme je poulais tout ce qui est Grimm. Je pense que le rituel, je vais le faire dans la partie que je suis en train de faire actuellement. Et dans l'autre, je ferai l'autre solution. Parce que sinon, dans l'autre partie, j'ai vraiment que des purges qui me restent à faire. Et ça m'attriste. Pape 98 qui héberge le stream. Merci beaucoup pour ton host, Pape. Comment vas-tu? Enfin, si tu es sur le stream. D'ailleurs, merci parce que je suis pas sûre que je t'ai déjà vu. Donc, en tout cas, bienvenue, bien le bonjour à toi. Je crois pas que t'es déjà venu. Ou alors, pas en parlant dans le chat. Donc, bienvenue. Je lançais juste le host avant de dire bonjour. Ok, bon, en tout cas, c'est très gentil, ça fait plaisir. Si je peux me permettre, tu viens de soutien petit stream, voilà, j'allais justement te demander où t'avais trouvé le stream si c'était par ici. Lounès du coup qui relève le défi, qui héberge également, merci Lounès.
Monsieur Plop le vrai qui nous dit coucou, je te fais un coucou express, je vais bientôt aller travailler. Bon HK, eh bien écoute, bon travail à toi. Ah oui, donc tu vas aller travailler, tu vas pas aller travailler sur ta partie de HK, on est d'ailleurs. On est d'accord. Bah en tout cas, bon travail à toi, purée. Les gens qui bossent le soir, je... Chapeau. C'est chapeau. C'est, je vous souhaite vraiment bon courage parce que... Ah si, tu vas travailler sur ta partie de HK ? Enfin, en tout cas, bon courage. Qu'est-ce que je faisais ? J'allais au tram. J'allais au tra-tram. Pour aller dans la zone de l'enfer. Voilà. On va se battre avec mon mode 100% avec mon aiguillon qui tranche en un coup super super rapide et long. Titre. Je cherchais qui regardait, j'ai aperçu Hollow Knight, du coup je... Bah en tout cas, merci à toi. C'est quoi? Attends, c'est quoi l'icône que t'as là? Attends. Une espèce de flocon de neige? C'est... Direct Relief Charity 2018. Ok, d'accord, c'est un truc d'événement. Un vieux charity stream, ok. Bon allez, hein, go. Payer la dîme. Je crois que j'ai mis la moitié de ce que je dois mettre. Mais... Bah si, je l'ai lu. Venez, on se battait avec mon mode 100%. Attendez, oui, non, mais c'est vrai que j'ai raté des messages, pardon. J'utilise mes 100%, je me transforme en super super saiyan avec les cheveux bleus en super instinct et je fais tous les boss en radiant. J'avais raté ton message, tu as raison. J'ai raté aussi celui de fantasy, j'ai rajouté le tag LGBTQIA+, j'hésite grandement de mon côté aussi. Bah écoute, moi je l'ai mis parce que après tout, bah déjà un j'en suis. Et deux, bah c'est aussi pour dire aux gens, bah c'est friendly quoi. C'est... Et s'il y a des gens qui vous insultent ici, je leur taille un costard et puis... Et puis après je les traîne au panthéon et là ils vont connaître leur souffrance. Allez, tram. Tram, tram, tram. J'ai pas fait la ruche non plus. J'ai vraiment besoin de plus d'âme. Avec juste un réservoir, je me sens à poil en fait. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, dès que pour valider un truc dans Dead Cells, c'est R1. Donc alors maintenant, c'est encore pire quoi. Pas sûr que si tu me traînes, tu survis. Ah non, mais je te traîne et je te jette dedans, hein. Après je m'en vais, moi. Ça, c'est pas... Oh non, je m'en vais, je vais dans les gradins avec la chercheuse de Dieu, et puis je regarde. Merci, Pape98, pour ton suivi. Tu préfères que je t'appelle Pape98 ou Pab? Qu'est-ce qui t'arrange le plus? Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas qu'on raccourcisse les pseudos. Faire un tour au Panthéon sans aiguillon. Ouais, c'est ça, sans aiguillon. En général, juste Pab, ok. C'est déjà pris sur Twitch. Ouais, c'est ça. C'est pour ça, quand il y a des numéros dans les pseudos, en général, je demande. Parce que je me doute bien que très souvent, c'est parce que le truc tout seul était déjà pris. Pas sûr que le Panthéon te tue, oui, je sais. Du coup, je sais plus nouveau où je voulais aller. Je voulais monter l'espèce de petit trou là-haut. Je crois qu'il y a un truc là. Hein. Faut que je passe par là. Voilà. Non, peut-être pas tout de suite. Non, il faut que je descende ou que je monte. Il faut que je descende. Coucou Azela, comment vas-tu? Est-ce que t'as passé une bonne semaine? Des cochonneries de Garped. Ils vont faire bobo. Je sais plus par où je dois aller. Ça dépend contre qui tu te bats. Alors Azela, je cherche le passage vers la purge ultime, mais je vais juste d'abord aller à la source. Parce que tant qu'à faire, hein, autant que ça serve. Dans ce genre d'endroit, salut bras et mes trois réservoirs d'âme. Semaine chiante, mais ça va, c'est le week-end. Ouais, c'est bien le week-end, c'est cool. C'est bien aussi, enfin, limite, peu importe pour moi que ce soit le samedi, dimanche, mais juste avoir deux jours d'affilée, quoi. Ça c'est bien, deux jours d'affilée, ça laisse le temps de se reposer. Il faut que j'aille là-bas, hein, je crois.
Je suis en train de chercher le passage vers le haut. Et je crois que c'est par là. Ah! Merde. Mais... Voilà. Désolée. Je suis assez tôt dans cette partie, relativement... Mais j'ai fait un chemin différent de ma première partie, en fait. Bon, j'ai fait le classique routes oubliées, vers chemin, caverne nocive. Et après, je suis pas allée tout de suite à la cité. Je suis d'abord allée au Mont Cristal, j'ai acheté la lanterne. De là, je suis allée dans l'entrée pour le repos. Et alors après, qu'est-ce que j'avais fait? Ah oui, j'étais allée ici. Parce que dans ma tête, comme j'étais allée au Mont Cristal, j'avais le cristal d'âge, alors qu'en fait non, pas encore. Et je voulais récupérer le charme des champignons qui est dans la partie là. Sauf que, bah forcément, j'avais pas le cristal d'âge. Mais dans la foulée, j'ai trouvé l'entrée vers là où il y a le prophète de mousse. Et au moment où je revenais, je me suis dit, ah c'est marrant cet endroit, c'est pas juste au-dessus de l'île profond. Et là, il y a le sol qui fait crac, crac. Et je suis tombée tout là-dedans. Donc j'en ai profité, j'ai récupéré le passe du tram. Et ensuite, j'ai fait ça. Je suis allée là. Puis je suis remontée par ici et après, j'ai fait la cité. Alors, la ruche, j'ai débloqué l'entrée, mais je l'ai pas encore fait sur cette partie. C'est une des zones que je déteste, moi aussi. Je suis pas arachnophobe, mais même comme ça, l'ambiance est assez... Ah! J'allais voir le boss dont on a parlé l'autre jour, l'éternel machin chose, et bah je l'aime pas. L'éternel Ordali? C'est une purge, hein? C'est une purge de plus, n'est-ce pas? Ouais, l'ambiance est géniale. Vous saviez que Irel, je fais de la muscu et je réussis à porter une halter de 40 kg. Bah cool, 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 cool. Muscu, moi j'en ai plus fait depuis 2 ans. Faudrait que je m'y remette. C'est alors j'y arrive plus maintenant, mais il y avait une époque au niveau une époque avec au niveau de la presse à jambes, je pressais 120 kg quoi. C'est 2 fois mon poids. Je sais pas comment je faisais. Bon, c'est de l'entraînement quoi, c'est d'accord. Toi aussi, mais tu t'es pété le bras après. Ah merde. Cassé ou muscle froissé, je veux dire. Ouais. Ouais, Azela a découvert les joies de l'éternel Ordali. T'inquiète, je l'aime pas non plus. Je crois que le maximum où je suis montée, c'était 37 ou 38 sur 58 à vaincre. C'était plus pour la blague, en fait. D'accord. Non, mais y a des gens qui sont pétés des trucs hein, en faisant de la muscu. C'est pas... Si tu fais pas attention, c'est pas déconnant que tu te pètes quelque chose. Comme souvent, d'ailleurs, on le fait pas forcément bien. Ah, vous voyez, ces deux géos, ça veut dire que je m'en fous de crever. Toujours eu du mal à la muscu, je commence assez facile. Bah c'est ce qu'il faut, hein. C'est ce qu'il faut. Tu peux pas commencer avec des trucs de bof et puis faut y aller progressivement. Pas fait de sport depuis 13 ans. Effectivement, si tu remets à la muscu, vas-y très progressivement en faisant très très attention. Lounès qui adore l'Ordali. Pourquoi ça me surprend pas? Lounès, il adore les trucs qui purgent en fait. D'accord, c'est ok. Ça commence bien. Ah oui, j'avais oublié ça. Il n'y en a pas encore un autre? Tant qu'à faire? Ben voilà. File-moi de l'âme! Je veux de l'âme! Voilà. Quoi cette musique? Ah oui, c'est la musique tendue. Tendue du slip. Je me suis pété la jambe l'an dernier, je suis tombée une halter de 30 kg sur ma jambe, ça m'a pété la jambe. Ouais! Ça, je veux bien croire par contre. J'espère que ça s'est bien remis d'ailleurs, parce que... Bah c'est le truc à la con, en sport, hein, je veux dire pas vis-à-vis de toi en particulier. Mais le truc à la con, où tu fais un sport, genre voilà de la muscu, tu soulèves, ouais, 50 kg, 60 kg, tant et tant, peu importe, tu fais des prouesses, et c'est genre après tu te pètes la jambe ou le dos en faisant une connerie du style tu glisses sur le trottoir, ou tu te baisses pour ramasser un papier, t'as fait laisser tomber, tu te coinces le dos, et là tu te dis mais c'est ridicule quoi. Ça m'est arrivé de me coincer le dos en ramassant un papier. Muscu, pas de soucis, mais je me pète le dos en faisant ça. Surtout que j'aime pas le principe de devoir battre des vagues d'ennemis, donc les boss rush, je préfère les combats singuliers. Alors je t'avouerai, Azela, c'est pour ça aussi en partie que j'ai du mal avec le endgame de Hollow Knight. Enfin, les Panthéons, le Colisée et tout ça. Colisée 3 notamment. C'est parce que c'est des enemy rush en fait. Et j'avoue que moi, plus de 5 minutes sur un truc, j'ai mon cerveau qui commence à... qui s'éteint.
Mais bon, les boss sont radiants, forcément. Non mais à la limite, les boss en radiant un par un, je veux bien tenter. Mais des vagues, voilà, c'était quoi, 42 boss d'affilée. Mais je veux dire, mon cerveau il déconnecte. Faut connaître les patterns par cœur. Oui, c'est ça, c'est ça. Et il faut surtout pas perdre le rythme, je pense. Parce que si tu perds le rythme, après c'est galère. C'est pour ça que j'ai pas fait les panthéons. Les boss en solo, c'est cool. Alors Azela, j'ai réussi à faire le P2. J'ai commencé le P3, évidemment, il y a Grimm. Forcément, voilà. Path of Pain, j'ai adoré la voir après l'avoir détesté. Je pense que ça va être pareil pour moi, je l'ai pas encore fait. J'ai fait le palais, mais pas le Path of Pain. Ah, écoute, tu me diras ce que ça vaut, le farming des boss en radiant. Moi, j'en ai fait certains en syntonisé. J'ai pas encore réussi à en faire en ascension. Enfin, j'ai pas vraiment essayé, faut être honnête. J'ai essayé genre 2-3 fois comme ça en YOLO, mais c'est pas comme ça que je vais y arriver. Ah mais Grimm, je l'adore. J'adore son combat. Mais je me fais torcher quand même, quoi, sur le Panthéon. Bah bon, ça viendra. Je pense deviner qui sera le boss de fin du Panthéon 3. Après les boss de fin des Panthéons 1 et 2. Mais bon. Peut-être essayer quand même de faire ça, je sais pas, vous en pensez quoi? J'ai eu beaucoup de mal, puis j'ai arrêté de jouer un mois et j'ai réussi. Non ! Et merde. Pardon. Ben... Moi j'ai beaucoup de mal au Colisée 3, j'ai arrêté de le faire pendant un mois, j'ai recommencé, j'ai pas réussi. Visiblement pour le Colisée ça marche pas des masses. Les pointes en haut. Les pointes, ça c'est le truc quand même encore qui me... Il est déjà mort, hein. Il n'y a plus rien à farmer ici. Bon. Tristesse. Colisée, je l'ai réussi après Grimm. Maintenant, je le trouve assez tranquille. Faudra que j'y arrive un jour. Faut pas que j'y arrive. Il me faut la patience de le pratiquer. Mais en général, j'ai la patience de faire un run. Et après, ça me saoule. Donc, je fais une pause, quoi. Je fais la presse à jambière. Non. En fait, j'ai toujours la jambe qui me fait un peu mal. Je peux pas la presse. Par contre, la machine, tu dois prendre une barre et tu tires vers le bas. Ça va. Ok. Ah, t'avais le Colisée, c'est force inébranlable en plus. Chapeau. Moi, je crois que je le prends, force inébranlable. Ça a plus vite. J'ai refait Grimm en ascension après 3 essais pour ne pas avoir touché au jeu depuis des mois. J'étais bien contente. Ah, bah tu m'étonnes, ouais. C'est clair que oui. Oui, bah oui, toi, t'avais fini le jeu bien avant moi. J'ai dû mourir une bonne centaine de fois sur Colisée, ok. Du français, j'ai mal aux yeux. J'ai fait 100 aussi, j'aime pas trop comme charme. Moi j'aime bien, mais en fait ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir me passer du charme qui me fait 2 masques en plus, pour ne pas avoir suffisamment de skill pour pas être dépendante des heals, ou pas autant. Comme ça je peux remplacer ça par un charme pour booster les sorts, quoi. Sinon je pourrais émuler les Metroid un jour. Ah peut-être, ouais, faudrait que je regarde, j'ai aucun émulateur, je sais pas trop comment ça... Ça se passe. J'avais un émulateur pour PSX, mais c'est tout. Mais... à voir. Après, le problème, c'est que les jeux en émulation, ça veut dire qu'il faut que je récupère des ROM. Et c'est pas super legit. Donc, je vais passer en stream, quoi. En stream, on est d'accord, c'est des jeux que j'ai achetés, qui sont Lego et tout, quoi. Tu reviens à 21h, y'a pas de soucis, Lounas. Ben, merci d'être passé. 21h, c'est 21h, ça. Moi je file pour un moment, bonne soirée à toi. Bah bonne soirée à toi aussi du coup. Alors je peux techniquement. C'est une zone un peu grise. Ouais. Je me méfie avec Twitch. Je me méfie. Parce qu'entre les DMCA d'un côté, Ponce qui se fait ban pour. Parce qu'il y a une bande-annonce où on a vu un téton pendant 1/100 de seconde. Je me méfie des zones grises. On va dire que je préfère rester dans les zones blanches, quoi. Bonsoir Kev, comment ça va? Comment ça va chez toi? Tu streams ce soir ou pas? Non, c'était hier soir. Je m'y perds un peu dans les emplois du temps. Je fais pas du tout attention à ce que je fais. Peut-être essayer quand même de finir ce passage. Au goût de moi, ça va, je suis en week-end. Content. Mais non! À chaque fois, je me le prends! Ah! Dead Cell ce soir, ok.
Dead Cell, je suis enfin arrivé sur le boss de fin, il m'a torché. Mais j'y suis arrivé. Alors c'était hallucinant, hein, parce que je t'avais vu faire la gardienne. Mais alors comparé au boss de fin, la gardienne, je lui ai roulé dessus sur cette game. Je sais pas comment j'ai... Je fais pas gaffe à ce que je fais en fait. Je fais mais genre absolument pas attention, comme vous pouvez le constater. Et je dis pas ça pour chercher une excuse. Hein. Je fais vraiment pas gaffe. Mais non! Mais non! Mais vous... Ah! Le calcul de mon saut, c'est de la daube. C'est de la daube ultime. Bon, heureusement que j'ai le charme des pipous, ça aide un peu. C'est vrai que la gardienne, je lui ai aussi un peu roulé dessus quand j'y suis arrivée, du coup, ça me fait un peu peur. Mais c'est pas les mêmes tactiques. En fait, la gardienne, si t'as de la glace ou un truc de contrôle, on va dire, comme étourdissement. En fait, ça va, elle est plutôt simple. Ça, tu la gardes et tu la gardes assommée ou jouée tout le temps, quoi. L'autre, c'est des tactiques complètement différentes. Et surtout, pour la glace, la main, elle résiste bien. Donc, elle est gelée très très peu de temps. Et si t'as pris... En fait, si t'arrives à la fin d'une run comme ça, je pense... J'y suis arrivée qu'une fois. Mais je pense que tu t'as pris l'habitude, du coup, de compter sur la glace. Et ça surprend. Et en fait, ça, c'est un coup à s'en mêler un peu les pinceaux, quoi. Bon, je vais essayer de pas trop faire de la merde ici parce que... C'est pas vrai. Y a vraiment un truc qui va pas, hein. J'estime trop mal, en fait, cette partie-là. Voilà. Non! Mais non! Ah! C'est terrible! Je me fais avoir à chaque fois. Ok, je vais essayer de me concentrer un peu là-dessus quand même. Parce que j'ai pas envie d'y passer la soirée. Bon, vous me direz au pire si je meurs, je risque pas grand-chose. Voilà, faut juste que je passe un peu plus en arrière. Sérieux. Sérieux le jeu. Bon, au moins je rebondis un peu mieux sur les garpèdes. C'est déjà bien. Non! Mais non! Je vais vraiment crever en fait. Je sais pas en fait pourquoi je suis allée faire... Ah si, parce que je voulais l'aiguille de masque. Parce qu'il me faut l'aiguille de masque. J'ai le nez qui me gratte. J'ai le nez qui me gratte, c'est horrible. Ah, je pourrais me gratter le nez. Ah. Bon, ça va. Pour moi, je suis pas mort. Je crois me souvenir ce qu'il faut faire là-haut. En même temps, on est d'accord, hein, c'est pas... si je meurs ici, c'est pas grave. Est-ce qu'il y avait quelque chose là-bas? Je crois pas, hein. Ah, si! Yes. Il y a de l'âme. Ah, plus d'âme! Ah, plus! Tristesse! Bon, désolé, je me gratte le cul. Je plaisante. Allez. D'accord. Ça commence bien. Les cibles en mouvement, c'est pas mon truc, hein. Mais qu'est-ce que je fais? Je vais pas mourir là-dessus quand même. Non, 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 il faut pas là. Il faut pas. Mais qu'est-ce que je fais? Je sais pas ce que j'essaye de faire, mais... Ok. Faut que je fasse ça, mais pas en... Sans changer de position. Voilà. C'est quand même mieux quand ça marche.
Ah, un réceptacle d'âme. Yes. Le premier. J'ai l'impression que dans mon autre partie, je l'avais eu plus tôt, ça. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que dans l'autre partie, je suis arrivée à Nid Profond avant de faire les frontières du royaume. Je sais plus. J'ai l'impression d'avoir un vieux sifflement. Dans les oreilles. Ah, c'est dehors! Y a, d'accord, je me disais que j'entendais des bruits, mais en fait, ouais, y a une espèce de vieux... quelqu'un qui doit tondre quelque chose ou scier quelque chose. Là, faut que je tombe dans le trou ici. Voilà. Et je crois que c'est par là. Bon, c'est bon, je peux nouveau faire attention à vous un petit peu. Désolée pour ce petit interlude de... qui était un peu pitoyable, mais pas trop. Donc ça va encore. Ça aurait pu être bien, bien pire. J'ai envie de dire, maintenant que je suis à Nid Profond... J'ai pas fait la partie là-haut. Je vais essayer de remonter pour aller faire... la partie, pas la partie où il y a la petite cheminée, mais les espèces de passages là-haut. Le grand rectangle qui est en haut à droite. Mais avant ça, on va aller chercher autre chose. Je me rappelle. Une des raisons pour lesquelles j'étais venue de ce côté là où il y a le tram, c'était pas uniquement pour l'aiguille, le bout de réceptacle. C'était autre chose. Pour aller là. Parce que je peux aller là-dedans. Alors, ce truc-là, est-ce qu'il y a quelque chose à y trouver? J'ai l'impression que c'est que pour le journal du chasseur, hein, parce que oui, bah oui, forcément, les garpèdes, on peut pas les tuer. Mais y a rien de caché, hein, je pense pas que j'ai raté autre chose. Ah. Qu'est-ce qu'il y avait encore ici? Ça, par contre, je me rappelle plus si j'étais allée la première fois ou pas. Non, y a rien là. Oh! Complètement oublié. Je redécouvre le truc. J'ai fini le journal dans mon autre partie, ouais. Je l'ai terminé, je crois, avant dimanche. Dimanche, ouais, il me semble. Et du coup... Est-ce que je vous spoil si je vous dis ce qui s'est passé une fois que j'ai complété le journal et que je suis retournée voir le chasseur? Parce que... Le jeu nous troll. Ah oui. Alors, attendez. Voilà. Bon, j'ai un peu de dégâts mais c'est pas grave. Toi non mais pour les autres je sais pas. Ouais, enfin on va dire gentiment que vu la musique qui allait, qui avait à ce moment là, c'était très orienté. Tu as répondu à ma question, ouais. Le jeu nous troll. On est d'accord que là il faut que je passe à travers. Hein. Bon, je vais me prendre des dégâts mais c'est pas un souci. La la la. Voilà. L'ombre tranchante. Je vais pas forcément équiper tout de suite, ou peut-être que si, je ne sais pas. Ah bah oui, bah c'était ça. C'était ça le mur où j'avais essayé de passer, où je pouvais pas. Voilà. J'ai répondu moi aussi à ma question. Donc... Ah! J'ai encore failli marcher dans les... Je peux même pas appeler ça des pointes. C'est pas des pointes, c'est quoi? C'est des espèces de dents. Autant ce troll-là, c'était ok, mais par contre, la fin du papa chenille, je comprends pas. Écoute, moi, la façon dont je l'interprète, c'est que ça fait partie de leur cycle de vie. Et que ben le papa chenille, c'est une sorte d'incubateur. Et pour... qu'en fait, ben, pour qu'ils finissent d'éclore, ben, faut qu'ils soient dedans. Enfin, voilà, quoi. C'est un peu dégueulasse, on est d'accord.
peux pas remonter par là, donc il va falloir que j'aille par ici. Je vais essayer quand même d'aller récupérer les chenilles qui sont en haut, maintenant que je sais qu'elles sont là. On va aller par là d'abord. C'est chelou quand même. On est bien d'accord. Je pense que, vu ce qui m'attend, je vais faire quelque chose. Je vais faire les choses un peu différemment. Il est à deux, lui. J'aime bien longue lame, mais on va garder celui-là. Je vais garder. J'en pourrais virer le charme des géos, mais j'ai besoin de pognon. Je précise pour ceux qui seraient arrivés, j'ai très peu de pognon. C'est pas parce que je suis morte, c'est parce que la game précédente j'ai tout claqué. Hein. Je précise quand même. Je suis nulle, mais pas à ce point. Ah, Maurice Fireball qui est de retour. Je sais pas pourquoi je l'appelle comme ça. Voilà. Il doit y avoir un pipou dans le secteur. Voilà. Pipou! Pipou, pipou! Où es-tu, le pipou? Je l'entends chouiner. Ah! Salut, toi! Donne-moi 5 minutes, je reviens. Je vais filer, bonne soirée à toi et à tout le chat, des bisous. Bisous aussi, Fantasy, bonne chance pour demain. Je crois que tu streams dimanche, donc je vais essayer de passer aussi. Oh, Pipou. Je suis désolée, j'adore ce bruit. Je le fais mal, mais... Et tu streams ce soir? Ah, d'accord. Ok, ok, rappelle-moi, tu fais quoi ce soir? Tu fais... Je suis désolée, j'ai plus le planning en tête. Je suis genre entre 40 et 50 personnes sur Twitch. J'arrive plus à suivre. J'essaie de soutenir autant que possible, mais j'arrive plus à suivre. Donc je passe une heure chez l'un, une heure chez l'autre, mais... La crypte du danseur nécro. Oui, il faut que je le continue, celui-là, il est vachement bien. Non... Leurs pensées sont angoissées. Oh, ça sent le pognon. Faut que je passe au niveau 1 quand même. Moi j'avoue que j'ai fait le tuto forcément. Et qu'est-ce que j'ai fait encore? Bah je crois que j'ai pas fini le niveau 1. Ou peut-être juste je suis arrivée à l'entrée du niveau 2 mais sans plus. Bonne soirée. Ah oui, tu dis faute soirée à Fantasy. Je fais un petit coucou alors, Fantasy, pour voir mon marchand préféré. Mais Crypt of the Necrodancer, il est très très sympa, ouais. Je sais pas après si je vais vouloir faire des jeux de rythme en stream, parce que comme dit, j'ai déjà beaucoup de mal à me concentrer. Donc c'est pas gagné, mais il est vachement bien. Voilà, je savais que j'avais oublié un truc. Je veux capturer ce moment inoubliable, où je me suis vue en double et où ça sentait la merde. Étiez-vous mort? Ouais. Y'a quoi là? Ah ouais, non, c'était là avant. Julien Trounon, le marchanteur. Ah non, mais c'est vrai qu'il faut. J'avais essayé, c'était quand, genre en février-mars. Il faudrait que je réessaye. Et que je me sorte de l'esprit que le faire au tapis de danse, c'est bien, mais c'est pas absolument indispensable. Ok. Bon, ben ouais, parti comme je sais, on va lui faire un sort, hein. Ou pas. Ah, il s'en va en courant, le vilain. Ça va où, ça? Voilà. Je sais que c'est là, mais au moment où je le vois. C'est bien parce que ça veut dire que je me souviens pas de tout et c'est quand même mieux. C'est quand même mieux comme ça. Tapis de danse, faudrait que je n'achète un. Alors j'en ai un mais je sais pas s'il marche encore.
Parce que j'ai acheté en 2005, donc... Très cher. Comment ? Ouais. Il y en a d'autres qui se sont fait avoir dans cet endroit de la baise ultime. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Non ! Non ! Ah ! Je suis prisonnier ! Ah ! Bon, bah tant pis. Les petits frères ou les petites sœurs ou je ne sais pas. Je sais pas comment je peux dire en français. Il y en a quand même trois, hein, dis donc. T'as buté ma famille. Yes, oui, le chevalier, toi, toi et ma famille, prepare to die. Ah, purée. Ce truc dégueulasse. Ce truc d'une dégueulasserie absolue. C'est pour ça que j'ai mis le charme. Parce que voilà quoi. Ah, je peux pas passer au travers de ça. Est-ce que j'ai du bol? Oui, j'ai du bol. Ah, Nosk. Quelle charmante personne. Hein. Je devrais peut-être lui balancer des sorts à la face. Ça serait cool aussi. La seule fois où je lui balance un sort, je le rate. Évidemment. Parce que c'est moi. Il va repleuvoir de la merde. Bah bravo. Pas au bon endroit, mais c'est pas grave. Est-ce que j'ai de la chance? Oui. Coucou Sphinx Compagnie, comment ça va? Oh, désolé, j'essaye de pas crever sur Nosk parce que c'est Nosk. Faut pas déconner quand même, quoi. Voilà, viens là. Ah! Il m'a touché. Il m'a touché, le cochon. Alors, il vient me refaire son coup. Yes! Je redisais bonsoir à Zella qui m'avait souhaité la bonne soirée. Ah, ok. Ouais, non mais Nosk en fait ça va. J'ai ce charme qui est équipé, donc mine de rien c'est... Ça va un peu plus vite. Je sais plus ce qu'il y a ici. Un charme? Du minerai pâle. J'en ai combien du minerai pâle? Ah, j'en ai qu'un, il m'en faut trois. Je sais plus où les trouver. Sphinx Compagnie, du coup j'espère que je te spoil pas. La 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 la. J'ai la possibilité de jouer au sphinx, de jouer au foot avec ma tête, c'est quand même magique, hein. Voilà. La 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 la. Pardon. Je vais l'emmener dehors. Et puis après, je le perdrai parce que je ne peux rien faire avec ma tête à l'extérieur. Merci Hippolyte. Je crois que je t'ai jamais vu, donc bienvenue à toi, bienvenue sur cette chaîne, et puis bah bonsoir. Hein. Sphinx qui bascule en l'heure, qu'il n'y a pas de souci, tu laisses ta view, c'est très gentil, merci beaucoup. Ouais, je sais que... vachement cool quand même, parce que même si tu peux pas
peut pas participer, ben comme dit, une view, ça fait quand même une différence. Sur des streams comme Hollow Knight, où en français, il y a souvent... je veux dire, 6-7 personnes... Enfin, voilà, c'est, ça suffit pour être dans les 5 premières recommandations, et c'est carrément pas rien, quoi. Donc, où est-ce que j'allais ? Moi, j'allais là. Je sais plus. J'avais dit que je montais, je crois. C'est exactement ça, ouais. J'avais dit que je montais pour essayer d'aller dans la salle en haut à droite pour récupérer les pipous. Si je peux. Je suis pas sûre que je puisse y aller à partir d'ici, mais on va... Ah, mon dash est trop long. Pour le coup. Va falloir que je garde ça en tête. Va falloir que je me méfie. C'est pas là que je veux aller. Est-ce que je peux passer à droite? Bien sûr que non! Moi, tout ce que je voulais, c'était monter. Laissez-moi monter, voilà. Je vais y aller, moi. Bonne soirée, tout le monde. Bah, bonne soirée à toi, Zayla. Pareil, hein, merci d'être passé. Et puis, passe une bonne nuit et... Ah! Qu'est-ce que je fais? Je vais devoir filer aussi. Mais il est pas mort, lui? Ah! Ok, d'accord, il s'est coincé là en haut comme... D'accord. Donc il y a déjà les... Comment il s'appelle? Les nécrosites qui sont là, d'accord. Donc oui, Kevlasco, bonne soirée à toi également. Et bon stream. Hein. Juste pareil, j'essaierai de passer un petit peu tout à l'heure. Et tout ça pour des pipous, quoi. Je sais pas timer mes sauts, je suis désolée. Je vous demande pardon pour cette performance absolument ignoble. Il y avait quoi là-haut? J'ai l'impression qu'il y avait un truc, mais en fait non. Bon, allez, direction le deuxième réservoir d'âme à l'occasion. Voilà. Ah, ni profond, toujours cette ambiance si unique au monde. Faut que je fasse gaffe aux nécrosites d'ailleurs, maintenant que j'y pense. Voilà. Je disais je dois faire gaffe, évidemment je fais pas attention. Bienvenue à tous sur le stream de... du No Skill. Ah. Non! C'est là-bas que je voulais aller! Mais non, pourquoi? Ouh, Dan qui serait abonné! Merci Dan, merci pour ton resub! Et bah bonsoir à toi! Comment ça va chez toi? T'as passé une bonne semaine, j'espère? Est-ce que je peux passer par là? Dites-moi que je peux passer par là. Oui, je peux passer par là, yes. Mais je peux pas ouvrir le passage. Non. Ah, il y a des garpèdes. Je pense que c'est là-haut que je veux aller. Ah, en fait, non. C'est pas là que je voulais aller. C'est en bas. En bas, à droite. Dans la grande, sa salle, là. C'est là que je veux aller. Je cherche les chenilles, il y a un mur caché, j'ai le souvenir d'un mur caché, donc j'essaye de les trouver. Hein. Pardon. Ceci n'était pas un rôle dégueulasse, c'était juste moi qui émettait un petit cri de surprise. À la recherche des pipous cachés. Comment ça, je peux pas monter? Mais non! Ah! Il doit y avoir un endroit où je peux passer, c'est pas possible autrement. Il doit y avoir un endroit. Quoi? Mais non! Mais non, mais... Mais comment on communique alors entre ces deux endroits? On est bien d'accord que par là on devrait pouvoir passer? Attendez...
Non, c'est pas ici. Ok, bon, c'est pas grave, il faut que je monte encore un petit peu. C'est les deux tunnels en haut, je crois. Je suis désolée, cet endroit est un peu labyrinthesque. Non mais oh toi! Regardez-moi ça! Ce petit machin là, qui me saute dessus. Mais quelle impolitesse! Bah il méritait de mourir, tiens. Oui, je sais, je suis très cruelle. Remarquez, en même temps, ça me fait de l'âme. Hein. Pour quelqu'un qui, comme moi, n'a pas d'âme. Oh, 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 oh. C'est moi ou ils sont devenus vachement plus rapides? Ah! Mais... Mais non! Mais qu'est-ce que je fous? Ah, quand même, je me souviens plus de... Mais non! Mais qu'est-ce que je fais? Je sais que techniquement c'est peut-être pas forcément dans ce sens qu'on est censé y aller. Là-haut que je veux aller. Voilà. J'espère que c'est bien par là d'ailleurs. Ouais. Parce que je veux ces pipous. Maintenant que je sais qu'ils sont là, je veux ces pipous. Reviens. Reviens. Il veut pas revenir? Il veut pas se faire tuer? Il a peur? Il a peur de moi. Je viens d'abattre Nosk, forcément qu'il a peur. Et là, je vais pas pouvoir y aller parce que... Il n'y a pas de passage. Je suis sûre. Mais... Ça, c'est le puits où j'étais tombée. Voilà. Le fameux puits où j'avais pas pu remonter. Ils sont vexants ceux-là maintenant que je veux les tuer. Ils restent pas en place. Non ! Bon, c'est pas grave. Il faut juste que je remonte. C'est juste la feignasse en moi. Qui s'y prend comme une bite. Désolée. Oui, en vrai, je sais pas pourquoi dans ma tête, c'est il était déjà mort, donc... Bon, bah écoute. Hein. Crystal Dash ! Ah, d'accord. Il a ramené des copains! Regardez-moi ça! Oh, c'est mignon! Oh, c'est trop gentil! Donc, c'est pas ici! Ah, zut! Il faut que j'arrive à là-haut. Ah. Mais... Ils sont combien? Ah ouais, quand même, j'ai perdu 4 masques sur cette stunt à la noix où j'ai voulu faire mon kéké. En me disant je suis en sécurité, il ne peut plus rien d'arriver. Vous, je vais vous bourrer du sort à la face. Il doit y avoir un mur planqué quelque part. Ou je ne sais pas. Mais il doit y avoir un mur planqué quelque part dans le coin. Vu que je suis sur une partie... genre ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas un mur ici? Parfois je me fatigue. Là, voilà. Et alors là, attention. Ceci va vous briser le cœur. Enfin, pas parce que ça fait mal à moi, mais parce que c'est un... Des mimiques, ils prennent la place des pipous. Ils prennent la place de mes pipous favoris. C'est horriblement triste. Ça, c'est un vrai pipou. Ça, c'est un de ceux que j'aime bien. Et lui, c'est une merde. Voilà. Comme ça, je suis pas obligée de retourner à Nid Profond.
pour aller chercher mes pipous favoris. Bon, sauf que maintenant, évidemment... Maintenant, je suis là et j'ai l'air très bête. Je voulais te tomber dessus, c'est pas vrai. Qu'est-ce que je fais? Quelle maladresse. Je veux juste consulter ma carte, mais foutez-moi la paix, non mais! Il y a encore un truc en haut. Il y a encore un truc... D'accord. Ça faisait longtemps. Est-ce que je peux me soigner sans qu'il y en ait un qui apparaisse? Oui, non, 3 kilos de sucre? Voilà. D'accord, en vrai, j'ai fait le tour. Bon! J'imagine que je ne peux pas remonter par ici, donc on va retomber dans le puits. Juste voir s'il reste pas quelque chose là-bas à explorer, parce que ça, je l'ai pas encore fait dans cette game. Mais je pense que non. Vu qu'il y a des cadavres, c'est que je suis déjà passée par là. J'attends que tu tombes. Non, il tombe pas. Bon, tant pis. Là ! Ou pas. J'essaie juste de réfléchir à quel serait le meilleur chemin. Il faudrait que je repasse par là où il y a le banc en haut. Et que je redescende par le bout du tram. Ok. Ok. Mais c'est encore un petit peu plus bas. Je vous déteste. Les machins de nid profond, sérieusement, vous êtes agaçants. Est-ce que j'ai loupé quelque chose ici? Non, je n'ai rien loupé. Juste un truc qui... où je serais tombée dans les pointes une fois de plus. On va encore descendre un petit peu. Et après, à gauche. Ok. C'est par là-bas. J'ai vu celui-là. Il a essayé de m'avoir. Donc à gauche, on a dit. À gauche, puis vers le haut pour aller au tratram. Et surtout au bonbon. Parce que c'est ça qui m'intéresse, c'est de m'asseoir un petit peu... De sauvegarder sans m'embêter, histoire de pas me retaper toute la zone. Et maintenant, on va redescendre par là-bas à gauche. Et on va explorer cette partie que je n'avais pas faite la fois précédente, vu que j'avais pas prévu d'y aller. Puis surtout que j'avais genre... Ah, oui. Voilà. J'oublie à chaque fois qu'ils sont là, ceux-là. Je ne sais pas comment je fais pour les oublier. Je pense que c'est mon cerveau qui occulte leur présence parce que traumatisme et tout ça. Bon. C'est pas du pognon, ça, non. Bon. C'est juste moi qui fais de la merde. Alors... Je suis sûre qu'il y a des pointes quelque part. Bah, ça, je l'aurais parié. Ça, je le sentais venir. C'est quoi ça? Ah, c'est juste une lanterne. J'attends les nécrosites avec impatience. Non? Pas de nécrosites? Ils veulent pas? Bon. Ok. Pourtant, ça aurait été un moment parfait pour un nécrosite pour me choper. Il faut vraiment que je méfie avec ce dash. Il est très bien, mais comme il est un peu plus long que le dash de base... Je voulais juste te taper, mais... Il y a des sous. Il y a de la thune à cela en haut.
Reviens. Reviens que je puisse te frapper tranquille. Bah alors, il fait quoi? Je l'ai touché? Non. Là, je l'ai touché. Je sais, je ne sais pas viser. Voilà, je disais le dash est trop long. Eh ben, pour ça, je vais me faire avoir. Là, je vais me faire avoir sur ça. Il était où? C'était ici? C'était où? Ben non, c'était pas là. C'est de là d'où je viens, ça. Je ne sais pas où il m'a fait réapparaître, ce crétin. Mais non, c'était pas ici. C'était par là, je crois. Hein. Je me trompe pas. C'était quelque part par là. Je suis déjà perdue. Ni profond, c'est absolument terrible. Hein. Je me perds. Je vais quand même essayer de le refaire. Voilà. Fallait juste pas que j'y aille au dash. Et ça marchait bien. Ok. Là, je vais me taper du nécrosite, c'est pas possible autrement. J'en ai pas vu depuis tellement longtemps, là. Pardon. J'ai fait une bêtise. J'ai foncé dans un truc que je devais pas. Je vais finir d'explorer là. Ah, il y en a un autre là-haut. Mais... Non mais sérieusement... Vous le sentiez là que j'osais pas utiliser le dash? Ah. Je viens d'où moi? Je viens d'où? Je venais pas de là-haut? Mais si, c'est celui-là que je veux buter. Ah oui, je suis remontée par le mauvais côté, ok. C'est moi où ça fait de la fumée, là? C'est là que je voulais, voilà. Car je crois savoir ce qu'il y a là-dedans, si je ne me trompe pas. Ça sent Galien? C'est Galien? Yes. Je viendrai t'écouter après. Mais d'abord, j'ai autre chose à venir chercher là-dedans. Ça, par contre, je me rappelle bien de ce qu'il y a ici. Voilà. Un petit cocon du lifeblood. On va essayer de pas les perdre bêtement. Bon, bah écoutez, puisque je suis là, moi je dis... Je vais tenter de me faire Galien. Ça devrait pas. Ça peut se passer dans un sens comme dans l'autre. On va voir. Oh, un compagnon d'armes dans cet endroit. Je pensais être le seul assez courageux et fort pour survivre dans cette atroce fosse oubliée. Je suis Galien, le guerrier le plus fort d'Alonest. Je suis venu dans cet endroit abominable pour mettre ma force à l'épreuve. Tu dois sans aucun doute vouloir tester tes forces, toi aussi. Oui, vous et moi sommes d'une espèce rare. Très différente de cet insecte mort juste là, devant nous. J'ai bien peur que ce monde ne soit pas un endroit pour les faibles. Alors allons nous combattre. Mettons notre force à l'épreuve dans un combat enjoué. Il n'a pas compris qu'il est mort. Ok. Ah oui, alors lui, c'est ça, ça je me rappelle. Ok. Il n'y en a pas un deuxième là qui va apparaître à un moment donné? Faut que j'arrête de lui sauter dans les bras. Hein. Je sais que je les aime bien, les ennemis, mais quand même. Voilà, il y en a un deuxième. Ok. Ok. Alors, où est-ce qu'il est l'autre? Ah! Moi qui me demandais où était l'autre, justement, bah il était là.
Faut pas que je fasse trop le con quand même, hein. Mais en fait, mais je fais carrément le con, là. Mais non, mais je fais la conne, là. Voilà, c'est mieux comme ça. C'était un peu limite, mais... c'est passé. Incroyable, j'ai été vaincu. Donc c'est cela que l'on ressent, après avoir été vaincu. Néanmoins, je suis fort, n'est-ce pas? Quand vous verrez notre roi, vous lui parlerez de ma bravoure. Oui. Il vous a sûrement envoyé ici pour me mettre à l'épreuve, n'est-ce pas? Je savais qu'il n'avait pas oublié ce brave Galien. Je suis prêt à vous rejoindre, frères, vous et moi. Quittons cet endroit, ensemble. Il n'a toujours pas compris qu'il était mort. Je suis désolée pour toi, Galien, mais... merci pour les essences. Est-ce que c'est 800 qu'il me fallait, je crois? Je crois que oui, je peux retourner chez la voyante. Enfin, pas là maintenant tout de suite, dans l'immédiat, mais... parce que là, je suis un peu coincée au fin fond du trou du cul du monde, mais... pas grave. Mais non, sérieux. Ça aurait été bien de pas me prendre des coups à chaque fois, mais on peut pas trop en exiger non plus de nid profond, n'est-ce pas? Par contre, alors là maintenant j'ai plus aucune idée de où je dois aller. Je me souviens plus de la direction à prendre. Je pense que ça va être par là. Toujours plus bas, descendons toujours plus bas. Ah! On va se mettre là pour soigner parce que je sens venir les nécrosites moisies. Est-ce qu'il y avait des choses là? Non. Ils sont marrants leurs petites papates. Voilà, je voulais juste faire ça. Je sais plus s'il y a quelque chose là-bas que je dois aller chercher ou pas. Non, en fait, non. C'est juste... c'est de l'endroit d'où j'étais venue tout à l'heure. Ok. Bon, ben... ah! Bon. Écoute, hein. C'est un peu lent, mais... ah, je peux pas le faire comme ça. Mais reviens! Non? Non? Bonsoir Noah, comment ça va chez toi? Tu arrives pour la zone du plaisir! Je sais plus ce qu'il y a là-dedans, c'est un vrai labyrinthe cet endroit, faut juste que je bute ce machin-là. Voilà. Là par contre, je suis contente d'avoir gardé ce charme équipé parce que pour eux, il va être utile. Alors j'espère que tu as passé une bonne semaine. C'était quoi ce couloir de la baise? Y a rien là-haut, ok. Ça va nickel et tout. Bah écoute-toi ça, moi j'ai fini ma semaine, là je suis contente. J'en demandais pas plus, j'avais qu'une hâte, c'était que ça se termine parce que c'était bien busy au boulot. Donc voilà. Ah! Je suis spécialiste de me prendre des coups comme ça à la con, mais j'annonce avec fierté que je suis pas encore morte à nid profond sur cette partie. C'est pas si courant, donc j'en suis fière. Alors je dis pas me prendre des dégâts, oui, mais je suis pas morte. Voilà. Oui, le nid profond, c'est de galère, on est d'accord. Je crois que là, il y a que de la merde au fond, hein. J'ose pas aller voir. Zut. Pas assez rapide. Pourtant, j'ai gardé le charme de l'entaille, je crois. Super la semaine. Bah écoute, tant mieux, tant mieux. Ouais, bah disons que à Hollow Knight, c'est assez rare que je meure pas, donc... mais... putain. Voilà. Ce genre de baise.
J'avais oublié que cet endroit, c'était ça. Du coup, quand tu tapes des ennemis dessus, bah forcément. Ah! Ok, ça je veux bien. Ça c'est cool. Oh, au fond, c'est la merde. Oui, je me rappelle! Il y a la plante des rêves qui est pas très loin. Va falloir que je la fasse parce que sinon j'aurais jamais envie d'y remonter. Voilà. Et je vais mettre un petit marqueur ici. J'aimerais bien que je puisse faire ça un peu plus précisément sur la carte, mais tant pis. Voilà pourquoi je ne bute pas ces trucs. On va s'en mettre un orange. Alors j'essaie vaguement de... Je fais quoi dans le nid profond? Alors, en fait, je suis allée récupérer le charme qui était là en bas. Celui-là. Je vais récupérer ça, l'ombre tranchante. Et je suis passée également la partie là au-dessus du tram parce qu'il y avait un bout de réceptacle, enfin de dame. Du coup, ça m'a complété mon premier réceptacle. Et je me suis rappelé également qu'il y avait des pipous à chercher dans la petite salle secrète là-haut. Donc je suis allée les chercher. Et ensuite, j'ai continué à explorer. Donc ouais, je suis arrivée par le tram, voilà quoi. Je suis allée un peu loin. Mais je pense qu'avant de m'occuper de la miss là-bas, hein, de la madame qui dort, je vais prendre le coléo et je vais aller retourner voir la voyante parce que j'ai gratté 800 essences de rêve. Ah oui, j'ai trouvé Galien aussi. Donc tant qu'à faire. Voilà. Bonjour vous. J'espère que je vais pas me faire baiser. Ah ouais bah bon c'est pas grave. C'est juste un coup. Par derrière. Tout va bien. Donc je crois que je suis... D'accord c'était ça le fond. C'est ça où j'avais dit le fond ça allait être de la merde. Et ces trucs qui miaulent. Et il doit y avoir un autre endroit. Parce que j'aime pas ces ennemis. Ouais, je les aime pas non plus. J'ai fait Nosk. Oui, j'ai fait Nosk. Je dois pas être loin du truc des Tisserandes. Puisque je crois qu'il y a... Je dois pas être loin. Mais je crois que c'est par là que je suis venue, donc j'ai l'impression que... Le truc, c'est comme j'ai pas pris de banc depuis... Je sais pas si c'est là... Non, là j'étais déjà, il y avait... Pff. Je le savais! C'est en haut de cette zone. Ouais, je sais que c'est quelque part en haut à droite. Mais en fait, je sais pas où je suis dans la zone par rapport au en haut à droite. J'arrive pas à me repérer puisque j'ai pas de carte. Bon forcément je vais me faire marcher dessus. Ça c'est normal. J'ai pas l'impression que ce soit là. Hein. Non. Quelque part dans le secteur. C'est dans le secteur c'est sûr. Bah plutôt vers là-bas du coup. Hein. Il y en a une qui est apparue ou je rêve? Non. J'ai mis des grades en fonction des niveaux. C'est-à-dire qu'est-ce que tu entends par des grades en fonction des niveaux? J'ai glissé. Je vais mettre une commande RIP et une commande j'ai glissé parce que je crois que ça le vaut bien. Ah, il y a le trou. Comment je monte de nouveau là-haut, moi? Comment je monte? Ah, avec Wisebot, oui, pardon. Oui. Ouais, parce que c'est vrai que tant qu'à avoir des levels, autant que ça soit un peu rigolo. Mais non. Bon, c'est une tactique qui se vaut, n'est-ce pas? Elle fonctionne, n'est-ce pas?
Oh, pipou! Un petit pipou! Faut que je pense à le récupérer. Ah, j'ai pété un mur. Il y a un truc que j'ai pété là. Mais zut. J'ai entendu un truc qui s'ouvrait. C'est là. Excellent, super. J'ai entendu le ding qui annonçait une ouverture de quelque chose. Donc ouais. Ah bah c'est parfait, ça m'évitera de revenir après. Tanière du tisserand, voilà. Est-ce qu'il y a de la merde là en bas? Ouais, il y a de la merde. J'ai encore du mal avec, avec le dash rallongé, hein. Voilà ce que je disais. Je sais même pas si je suis censée aller là-bas, en fait. Non mais c'est pas possible. J'ai bourru deux fois ici, tu m'étonnes. Mais qu'est-ce que je fais? Mais c'est... Il faut que je saute, en fait. Non mais le problème, c'est que j'ai le dash allongé. Du coup, ça me perturbe, c'est horrible. Il y a un objet, ouais, il y a un charme. Je vais voir si c'est pas là-haut. Ah, là, il y a une tisseronde. R.A., ouais. Je crois pas qu'elle ait grand-chose de plus à me dire. Enfin, je dis une tisseronde parce qu'une araignée, donc... je redescendrai après. Je crois que c'est en haut qu'il faut que j'aille. Bravo, reviens. Voilà. Je crois que c'est là-haut. Voilà. Mais non! C'est ça. C'est ça que je cherchais. Et maintenant, on va voir le champ du tisserand. Voilà. Y a pas un truc aussi là-haut? Y a pas une sorte d'entrée? Oh! Pourquoi tu t'enfuis, madame? Mais est-ce qu'il y a pas quelque chose là en bas? Mais non! Ah, ce timing de dash. Ne pas utiliser ce charme au palais, genre surtout pas, quoi. D'accord, il y a juste un œuf pourri, ok. D'accord, bon bah c'est parfait. Relounès, comment vas-tu depuis... Oula, tout à l'heure. Il y a une tisserande qui s'est barrée et puis je la revois pas. Je suis tristesse. Ah oui, le pipou. Pas oublier le pipou. Que je sais plus comment y aller, mais... Je devrais le savoir pourtant. Je repasse, j'aime trop le live de Aero sur Astalon, je verrai la rediff. Ouais, y a pas de soucis. C'est pas évident de regarder plusieurs lives en même temps. En plus, Hollow Knight, tu m'as déjà vu jouer, donc... rien de nouveau sur le soleil pour toi. Mais en tout cas, merci de le mentionner comme ça au moins, parce que comme t'as dit, tu retournais vers 21h. Comme ça, bah, je sais qu'il ne t'est rien arrivé de grave. Mais Lounès, je dois quand même dire, je ne suis pas encore morte à nid profond sur cette game. Ça se fête. Le pipou doit être par là. Ou pas. Dans ce cas-là, ici. Oui, oui. C'est bien. Voilà. En même temps... Bravo. Moi, j'ai un peu fait la conne. Désolée. J'ai bourriné parce que... Voilà. J'ai bourriné. Il y a quoi là-haut? J'étais pas déjà venu là-haut? J'ai zappé la plante à rêve. Oh, t'as fini le deuxième panthéon, Noah? Bah félicitations!
Félicitations à toi. Bah moi je l'ai pas trouvé si évident dans le deuxième panthéon. Hein. Bah bon, je l'ai fini donc tout va bien. Maintenant, tu vas pouvoir suer sur le troisième. C'est moi ou on dirait des chats qui miaulent ces araignées. Mais on est d'accord, j'ai raté la plante à rêve ou celle là-dedans. Je suis perdue. Il me faut surtout un banc en fait. Pour que je puisse mettre à jour ma carte, j'entends. Mais bon, on va d'abord aller voir ce qu'il y a là-haut. Je crois pas que c'est là qu'il y a le faiseur. Mais je vous ai pas déjà vu, vous ? J'ai refait le premier essai de la journée, j'ai réussi même si j'ai galéré pendant une semaine. Bah écoute, ouais, c'est vrai que... Mais... Moi, en fait, le deuxième panthéon, excepté le boss de fin, parce qu'évidemment, il n'y a pas eu l'occasion de le rencontrer avant. Excepté ça, au final, ça va, quoi. Ah ouais, d'accord. Je vois ce que j'ai raté. C'était joli comme coup, mais... Ouais, je suis passée à côté de la plante à rêve, je pense que c'est de l'autre côté. Mais... Non mais en fait, je me plante de boutons pour le dash. C'est tout connement ça, je me plante de boutons. Voilà, le dash, il est là. C'est juste que je suis curieuse, je sais plus ce qu'il y a là-haut. De la merde. Est-ce que je peux y accéder ou pas? Ah, je suis pas sûre. Hein. Si je bute ce machin là. Bravo. Mais même avec la lanterne, je vois que dalle. Les grosses mouches sont les plus dures à passer. Oui, voilà, les Hoblobbles. C'était ça que je voulais dire. C'est celle-là, les grosses mouches dégueu là. Voilà, ça c'est fait. Mais en fait, ça se trouve, il y a que dalle ici. Ah zut, je l'ai raté. Je sais pas vraiment s'il y a quelque chose que je dois aller chercher là-haut. Pas sûr, hein. On va quand même aller voir, parce que maintenant que j'y suis. Mais après, il faut que je retourne. Pourtant, j'étais pas trouvé si dur dans le Colisée 2. Ouais, y a je sais pas, ouais, c'est quelque chose comme ça. Faut que j'y aille au dash. Mec, ce dash là, faut vraiment que je m'y tienne. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est le faiseur de masques. On va aller lui rendre une petite visite. Hein. Et je crois par contre que je suis pas sûre de pouvoir aller au jardin de la reine à partir de là. Hein. Il me fait trop marrer. Et ça masque ou un visage que porte la créature. Dans Alonest, cela peut être une chose difficile de pouvoir faire la différence. C'est une chose merveilleuse d'avoir un visage, pas une chose avec laquelle nous sommes tous bénis. Pour ce royaume sans visage, je fournirai. Un masque, un visage, en a-t-il besoin? Ne veut-il pas pour définir, pour concentrer, pour exister? Il me fait marrer. Je peux pas... Ah, ça marche plus. Y'a pas un délire. Ah non. Il me semblait qu'on pouvait lui exploser la face, mais j'arrive plus. Non, bon, c'est pas grave. Je vais quand même pas gaspiller mon âme pour ça. Je peux voir son visage d'ailleurs. Mais ouais, c'est ce que j'essaye de faire. Oh, l'attaque du haut, j'arrive pas à la placer. Voilà! Je veux une photo. N'a-t-il été témoin de la plus tragique vérité? La grande honte du Wyrm est scellée. La stase de ce royaume est devenue l'héritage du Wyrm. Je vois qu'un autre porte la marque du roi.
de fond pour responsabilité lui seront conférées. Aucun insecte n'a jamais revendiqué tout ce royaume. Même les bêtes connaissaient leurs limites et ont tracé les frontières de leur royaume aux extrémités du nid. C'est l'ancienne aristocratie qui a tenté un règne absolu. Les ruines d'Alonest reflètent parfaitement leur tentative échouée. Ils voient le visage en dessous, ou bien cela n'est-il qu'un autre masque? La vérité est toujours enterrée profondément dans Alonest. Combien de couches faudra-t-il percer? Pour changer un visage, pour entièrement le dissimuler à l'intérieur d'un autre, c'est une protection puissante, mais avec une triste conséquence. L'esprit originel est détruit, bien que ceux qui possèdent des capacités remarquables puissent peut-être conserver une lueur de l'être qu'ils étaient. Visage je donne à tous ceux qui me le demandent. Pas un labeur pour moi, mais une aide, un cadeau à un monde méritant. J'essayais de faire un peu un accent qui ressemble à sa voix, mais c'est pas évident. Il raconte plein de choses, mais ouais, mais trop, quoi. Bon, par contre, je crois que j'ai épuisé son dialogue. Mais pareil, je crois que j'avais pas la marque du roi quand j'étais allé le voir la fois précédente, donc... J'ai envie de faire... Ouais, je suis désolée, je me fais de temps en temps des petits screenshots comme ça en souvenir. Bon, je vais essayer de pas crever. Une fois de plus. Ou jusqu'où je peux monter ici? Non, je pense pas que je peux monter, hein. Ça, c'est que par le haut que je pourrais y accéder. Ouais. Ah. Je veux juste de l'âme. Mais... Pff, ça se débloque après. Ouais. Et du coup, là, j'ai eu la partie de dialogue avec la marque du roi, quoi. Eh, mais sérieusement, les araignées, là, foutez-moi un peu la paix, quoi. Bonk. Ah, il crache, ok. Je m'en souvenais pas de ça. Je suis passé là il y a genre 5 minutes, hein, j'ai déjà oublié, mais bon. Ah! Mais il y a que moi pour faire ça ou je rêve? Sérieux quoi? Là par contre faut que je redescende parce que j'ai effectivement, comme tu disais tout à l'heure, j'ai raté la plante à rêve. Et je sais absolument plus où elle est! Dans mon souvenir c'est vaguement en bas à gauche. Mais vraiment vaguement, quoi. Alors, où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est, cette crétine? Parce que là, je vais aller vers le village. La plante à rêve, elle est pas ici. Enfin, je pense pas. Pas l'impression, hein. Comme voir, mais... Non, elle est pas là. Tu étais à côté quand tu allais vers le pipou. J'ai complètement raté, ouais. Alors, le pipou, où est-ce qu'il était? Il était... J'étais passée par le haut. Bon, je m'occupe d'elle. Le pipou, j'étais passée par là. Il me semble. Il y avait le gros machin que j'ai buté. Le pipou, j'ai descendu là. Donc, elle doit pas être très très loin. Elle est pas ici. Elle est pas là. Encore ? C'est pas possible, mais il y en a combien de ces trucs? Bon d'accord. Rappelez-moi de pas me soigner. Ouais, moi aussi je suis perdue, surtout que, comme dit, j'ai pas la carte. Enfin si, j'ai la carte, mais elle a pas été mise à jour encore. Ah voilà.
Ah oui, effectivement, j'étais vraiment juste à côté. Je pense que j'ai tellement bien nettoyé la zone que maintenant j'ai plus qu'à éviter les plateformes, hein. Ok, il n'y en aura pas par ici. Mais c'est vrai que ici je me perds facilement aussi, hein. Pardon, pour les petits cris. Je pousse souvent des petits cris à nid profond. Comme beaucoup de gens, j'imagine. J'ai raté un truc là-haut. Je l'ai manqué, cette plante, je crois. Alors moi, la première fois, je l'avais pas manqué. Mais on va dire gentiment que c'était pas le truc qui m'enjaillait le plus, hein, dans cette zone. Donc il y en a un là. Mais j'en ai raté un encore, on est d'accord. Ah! Donc maintenant, il faut que je trouve celle qui me manque. Voilà. LOL. LOL. C'est ni profond, tout est normal. Limite, ça m'arrange que ces trucs ils apparaissent sortis de nulle part, parce qu'au moins comme ça je peux récupérer du... de l'âme. Faut que j'arrive à descendre à un endroit où il n'y a pas... de pic. Je suis un peu tendue, hein. Parce que j'ai pas envie d'y retourner 50 fois, ni profond. Ni profond, limite aussi pire que le palais blanc. Mais ni profond, en fait, c'est stressant. Le palais blanc, c'est des plateformes, mais c'est à peu près tout. Ni profond, c'est limite la... En fait, ni profond, la zone elle-même, c'est le boss. Moi, je me demandais toujours pourquoi il n'y avait pas de boss à ni profond. Bah si, il y en a un. Ah là, mais deux en même temps, là. Mais non! Je l'avais pas vu! Je l'avais point vu, snifou, snifou. Là, je suis au bout de la zone, donc il a pu être là. Je dois pas être loin de la fin, on est d'accord, des... Enfin, je veux dire, de la fin des trucs de rêve, là. Une fois de plus, j'ai glissé. Si ça pouvait être les dernières, ce serait cool. Yes! C'était les dernières. L'ambiance est stressante et oppressante, on est bien d'accord. Et le truc en plus, c'est que... Moi ça va, je suis pas arachnophobe. Mais t'imagines, t'es arachnophobe, quoi. L'horreur. Là, je peux... Là, ce genre de truc, je peux... Sur des phobies vraiment en plus courantes, comme l'arachnophobie, je peux vraiment comprendre. Quand il y a des gens qui disent que, ouais, les jeux vidéo, faudrait que ce... Enfin, penser à l'inclusivité, tu vois, les gens qui ont des phobies. Parce que c'est vrai que ça doit pas être facile. Si déjà, moi, je trouve ça oppressant alors que j'ai pas de phobie particulière. Je crois que c'est par là-bas. J'étais pas à l'aise non plus. Non, mais c'est clair. Là, ça va. Mais c'était vraiment ma première game. J'étais pas à l'aise du tout. Parce que je connaissais pas le jeu. J'avais moins de skills, moins de réflexes. Et même maintenant, là, je me prends des dégâts. Mais quelque part, ça va encore, quoi. La première fois, c'était stressant. Voilà, genre ça. Je vais essayer de la voir pour qu'il me foute la paix. Mais moi, je crois qu'en fait, non, je vais pas l'avoir. Donc on va essayer de monter. Je ne dis rien. C'est vrai que les arachnophobes ont dû galérer. Ouais, c'est ça. Je ne dis rien sur mon skill pour éviter les pointes. Ce skill est... Il est existant, il est là, il existe, il a le mérite... Mmh.
J'adore les pointes. Il faut que je les essaye toutes, en fait. C'est... J'ai un désir de tester toutes les pointes. De nid profond, du palais, peu importe. Toutes les pointes, il faut que je les essaye. Pour vérifier qu'elles ont bien toutes la même pointitude. Ne surtout pas tomber. Parce que j'ai pas envie de tout remonter. Alors, on va faire autre chose. Je vais pas aller voir Hera tout de suite. Normalement, j'ai assez de pognon. On va d'abord aller voir l'échelle de Nao sur la pointitude, exactement. Dommage que le banc soit pété. Oh, ça va. Je vais d'abord aller chez la voyante et puis faire des courses. Ça permettra d'updater ma carte. J'adore la tête du perso quand il frappe vers le haut comme ça, je trouve ça trop mimi. Donc, nous disions repos éternel, et puis après on va peut-être repasser chez Sly, parce que j'ai pas tout acheté chez lui, hein. Mine de rien. Ah, il me fallait 1500 balles chez Sly. Et... Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Parce que naviguer toutes ces zones en aveugle, c'est quand même pas... Ah ouais, j'ai fait pas mal. En fait, juste à part le petit bout là en bas, j'ai tout débloqué. Ouais. Voilà, plante à rêve est faite. J'ai 880 essences. On va aller voir la mamie. Hein. Mamie la mouche. Enfin, mamie la phalène. C'est bien comme ça qu'on a... Enfin, les phalènes, c'est bien des papillons de nuit, hein. Le perso est mignon, mais faut pas se fier aux apparences car le jeu est pas simple. C'est un tueur psychopathe, ouais. Attends, il arrive dans des trucs, il bute des mouches enceintes, ça le dérange pas. Je sais ce que j'ai oublié. En parlant de trucs enceintes à buter, routes oubliées, il y a un truc qu'il faut que je fasse. Ah, Illuminor, vous êtes revenu. Alors comme ça, vous avez déjà rassemblé 700 essences? Je me demande si les rêveurs vous observent pendant que vous vous attelez à la tâche, ou même cet ancien roi lui-même. Cette serrure leur appartient. Un acte désespéré, mais très intelligent. Je me demande bien pendant combien de temps ils pensaient qu'elle pourrait tenir. Cependant, je n'ai aucun mépris pour eux. Le cours de l'histoire se poursuit et je suis devenue indifférente face à ces répétitions. Prenez votre récompense et continuez de rassembler des essences. Une fois que vous aurez rassemblé 900 essences, revenez me voir. C'est cool, mais je pensais que je suis à 880. Prelounès, j'ai oublié de faire quelque chose et je reste cette fois-ci. Bah écoute, y a pas de souci. Hein. Faudrait quand même que je l'essaye aussi le jeu qui faisait, parce que c'est vrai que ça a l'air sympa. Évidemment. Je sais que tu as oublié John Cena. Bon, on a dit que je passais chez Sly. J'ai rien à la banque en plus. Ah. J'ai rien à laisser à la banque, vous rendez compte. Ici? Ah zut. And his name is John C. Je l'attendais. Moi, bon, j'ai peut-être pas tous les surnommés de John Cena, on a déjà une panthère des neiges, mais... Si ça se trouve, c'était un tueur, le coléoptère, dans sa jeunesse. Là. Il faisait des combats clandestins de coléoptères dans des caves. Ouais, mais c'est vrai qu'elle est... Ah, oui. Bon ben, tant qu'on y est. Hein. Ça, j'avais oublié, par contre. Enfin, pas de façon générale, mais là, maintenant, je l'avais oublié. Alors, un autre est prêt à rejoindre notre groupe? J'ai un cadeau pour toi, guerrier. En tant que marchand, je dois bien admettre que cela est très difficile pour moi de m'en séparer gratuitement. Cependant, en tant que maître d'aiguillon, je peux reconnaître ton talent. Tu as maîtrisé les arts de mes autres disciples.
Ce faisant, la tradition décrète que tu peux toi aussi porter la marque de maître. Bama. Porte-la fièrement, maître d'aiguillon, car tu seras à jamais le dernier à la recevoir. Yes. Je pense c'est qui le boss final du P3 ? Moi, je pensais à lui, en fait. Parce que vu que ben c'était ses disciples pour les deux autres panthéons, ça serait logique que ce soit lui. Ces armes de première qualité, les combats de Géo sont bien plus mortels. Quoi ? Sly, en fait, il va jouer au casino. Bon, allez, je le salue quand même. Bah oui, gratuitement, évidemment, il a rien à m'offrir. Hein. Mais... Voilà. En souvenir de ma gradu... mon, j'ai reçu mon diplôme du maître d'aiguillon. Il y a aussi Tizo que t'as pas affronté. Ah, Tizo, j'aimerais bien le voir. Tizo, j'aimerais bien l'affronter. Je sais pas si c'est jouable, mais... Ah, ce serait cool de le voir au Panthéon. Le chevalier est devenu le maître d'aiguillon, roi et chasseur. Ouais, c'est vrai que je cumule pas mal de casquettes, là. Bon, bah écoute, reviens me vendre des trucs, du coup, mec. Hein. Ah, t'es 1500. Bah écoutez, on va prendre ça. Hein. Comme ça... Chevalier méprisé. Je pourrais, ouais. J'avais dit, il y a un truc que je dois faire aux routes. Je vais juste compléter un petit peu ma collection de charmes. Qu'est-ce que j'ai dit que je faisais aux routes? Non, pas autre. Pas maintenant. Pas autre. Pas ce soir. Une autre fois, mais pas ce soir. Je vous demande juste 30 secondes. Je vais aux toilettes et je reviens. Non, en vrai, le truc, c'est que à la base, j'étais partie pour finir Nid Profond. C'est juste que comme je suis arrivée au coléoptère là-bas, je m'étais dit, je vais voir si Sly, il a pas des trucs à me fourguer. C'était ça l'idée à la base, donc... Je vais peut-être juste essayer de retrouver le machin quand même ici, parce que sinon, je vais oublier. Ah oui, non, mais il y a lui. Elle a plus rien. Pas pour nada. Non. Ça, en fait, je trouvais dommage et... Non, honnêtement, j'ai pas envie de faire aucun des deux aujourd'hui. Je sais plus où c'est ce que je voulais chercher ici. Je sais ce que je cherche, mais je sais plus où c'est. C'est là où il y a des espèces de tunnels de pique. Pour cela, il est tellement riche, ouais. Veilleur peut-être après. Mais d'abord je finis Hera parce que... Bah écoutez, vous savez quoi, je vais finir Hera et puis comme ça c'est réglé. Ça me fera oublier que je viens de voir Zot. Sly, ouais. J'avais capté. Voilà. T'inquiète pas. Village lointain. Ah oui, bah non, il me manque encore les jardins. Ouais, après les jardins je pourrais aller à la tanière.
Et il n'y a pas un truc de masque ou de réceptacle à la tanière? Ouais, enfin, c'est pas un tunnel de pique, il y a un espèce de tunnel où tu peux, des pointes ou des pics, où tu peux passer que avec le cristal d'âche, et au-dessus, il y a une maman à speed et il y a un charme à récupérer. J'essaie de me rappeler où c'était. C'est aux routes, mais je sais plus si je dois passer par la station. Ouais, il y a un réceptacle, ouais. C'est dans les routes, on est d'accord, mais je sais plus à quel endroit des routes. Il n'y a pas un autre machin là? Ça, je crois que c'est la petite maison. Ouais. Pas d'amis. Mais ils ont pas d'amis, ils sont tristes. Ils ont menti. Là où il y a un caillou, tu le passes tranquillement, il casse un chemin, c'est à côté. Ouais. Donc ça doit être celui qui est pas très loin du chevalier, du coup. Et qui doit être complètement mort, maintenant que j'y pense. Enfin, bouffé par l'infection. Mais je vais juste faire ça, parce que sinon je suis foutue d'oublier. Et j'ai jamais fait Hera en premier, donc on va la faire. Salutations. Vous êtes très fatiguée. Asseyez-vous et reposez-vous. Nous sommes amis. Bienvenue. Asseyez-vous et reposez-vous. Là, déjà, t'entends la petite musique, tu fais... Ça pue. Veuillez vous asseoir et vous reposer. Zombie. C'est chaud et sans danger. Asseyez-vous et reposez-vous. J'adore ces trucs. Et en plus, il te suit du regard. C'est flippant. Genre, vas-y, assieds-toi, c'est sans danger, c'est absolument pas un piège. Ouais. Bah, j'essaierai de me rappeler. Je finis ça, et après je retourne aux routes, et puis bon, bah, vous me connaissez, tant que je serai à côté du faux chevalier, j'irai me faire bolosser, évidemment. Tant qu'à faire. Ah, t'es tombé sur Hera au hasard. Je suis coincée. Au secours. Les ténèbres se referment sur moi. Je ne peux pas me dégager. Je suis mourue. Puis j'aime bien le cri du chasseur à la fin. Enfin, je dis du chasseur. Ça ressemble au cri du chasseur. Ouais, ils insistent pas du tout pour que tu t'assoies. Mais je vous dis, ça me rappelle trop le truc le premier jeu Suikoden, où vous êtes obligé et on vous invite à boire une tasse de thé et ça pue le piège. Évidemment, la tasse de thé est droguée, mais on peut pas continuer le jeu tant qu'on la boit pas. Augmente sa puissance à 10%. J'espère qu'on les retrouvera dans Silk Song. J'aimerais bien qu'on en apprenne un peu plus sur Hornet, sa jeu. Bah, comment, voilà, sa vie, quoi, tout ça. C'est Hornet, quand même. Alors, par contre, là, je sais pas du tout. Ah, mais attendez. Ah non, mais ça devrait aller, en fait. Puisque j'ai toujours l'ombre tranchante. Journal du voyageur. Soda l'honnête, pas loin. Enfin, ça devrait aller. Ça pue les pointes? Ah non. Même pas. Peur. Ah! J'y passerais bien l'aiguillon des rêves, mais bizarrement, je suis pas motivée. Pognon! Je me suis perdue pendant 10 minutes ici. Ouais, bah en fait, le truc, c'est faut buter les gros machins, hein. Y a pas vraiment le choix. Donc moi je connais des fois c'est bon, on va les éviter et tout, et puis à force de les éviter, bah tu sors jamais du truc. Maton Hera. Après Hera, je vous avoue, j'ai aussi trollé d'autres streamers avec ouais tu vas voir le boss ici, ah ça fait trop mal, prépare-toi, à bientôt le boss. Je suis une grosse feignasse, hein, je suis désolée. Quand je fais pas de la merde. Tout ça pour feignasser, hein. Voilà. Le problème, c'est que je regagne pas d'âme comme ça, donc on va éviter de faire trop la conne quand même.
Je croyais que les rêveurs étaient des boss. Non, mais... le truc, c'est que Monomon et Lurien... oui, il y a les veilleurs, enfin, il y a le veilleur et il y a Oumu. Donc, moi, en fait, j'avais fait dans mon autre partie, j'avais fait le veilleur en premier. Donc, je croyais qu'il y avait un boss à chaque fois. Mais en fait, ici, le boss, c'est la zone avec les monstres patates, effectivement. Enfin, pour moi, les monstres patates font partie de la zone, donc... c'est le service de sécurité! Vos papiers, s'il vous plaît! Alors ça, par contre, je sais pas ce que c'est. Je pense que c'est du décor. Je m'attends toujours à ce qu'il y ait des pointes. Hein. Ah bah non, en fait, là, c'est là, de là où je viens avant. Il y a aussi une salle avec un gros truc... Et je sais pas ce que c'est. Évidemment qu'il m'a tiré dessus. La police elle est violente ici comme en Russie, hein quoi. Non mais c'est vrai qu'il y a ce côté vraiment violent, ouais. On est d'accord. Ah. S'il pouvait redescendre jusque là parce que j'ai pas envie de me le taper en longeant le mur. Bon écoute, pas grave. On va faire ça comme ça. Ah! Bon, c'est pas grave. Voilà! Je t'attends toujours à Hera. Bah, tu vas attendre longtemps, hein, parce que moi, je suis perdue, là. Non, mais sérieux. Lui, il va m'embêter, donc on va s'en charger maintenant. Voilà. Non, mais sérieux, hein! Les pointes, il faut que je les essaye toutes! Toutes, je vous dis. Parce que sinon, c'est pas bien. J'aurais pas fait mon travail consciencieusement d'exploration de la zone si j'ai pas fait toutes les pointes. Même à 100%, on sera toujours aussi nul. Non, je suis pas aussi nul qu'avant. On peut pas dire que je suis nul, c'est juste que je suis pas excellente. Mais tu m'as pas vu mes toutes premières parties. Lounès, je crois que t'es là depuis le Palais Blanc. Il me semble. T'as pas vu mes premières parties. Je te garantis que ça... Là, je suis excellente à côté. Je teste les pointes pour voir si elles sont aiguisées. Exactement. J'ai entendu un pipou. Vous avez pas entendu un pipou, vous? Ouais, pipou. Je savais qu'il y avait un pipou quelque part. Est-ce que j'essaie de me le faire? S'il pouvait pas cracher quand j'arrive, ce serait bien. Voilà. Ça fait longtemps que tu es pas allé voir le papa pognon. Oui, c'est vrai, t'as raison! Et monstre patate. Ah, j'ai pas d'âme pour le... Mais non! Il a reculé! C'est un peu l'avantage de charme, hein, tant qu'à faire. Hein? Autant faire la flemme. La première fois que j'ai vu un méchant pipou, j'étais pas prêt. Ouais, moi non plus, au machin de cristal, là. J'étais pas prêt non plus. Il y a de la tunasse, faudrait que je pense à aller chercher ma tunasse. Donc si j'y ai la tuile là-bas, c'est que je suis pas loin. C'est que je suis carrément pas loin du tout. Dimanche tier list ou pas, je sais pas encore. Honnêtement, j'ai pas encore décidé. Je suis pas sûre de faire du Hollow Knight dimanche, donc faudra vraiment que je vois. Bon, bah écoute. Hein. Mais non. J'ai vraiment du mal avec ce dash. Pourtant, il est très très bien ce dash. Hein. Oui. Il y avait une autre salle que celle-là. Bon, on va peut-être d'abord passer... Voilà. Est-ce que je peux récupérer la thune avant d'aller voir Hera? Ouais, je peux. Ah! Ma thune. Et après, faudrait que je pense à redescendre par là. J'aime pas les monstres patates.
Ouais, avec ce charme, ça va. Moi, c'était au nid profond, j'ai vu 4 pipous, je me dis, cool, je casse les pots, il arrive au troisième pot, je vois un truc arriver, j'avais tellement peur. Ouais, ouais, en fait, t'es passé comme ça, tu le pètes, tu continues, tu pètes le deuxième, etc. Ouais, ouais, ouais. Bah, moi, du coup, cela, comme j'avais fait celui du Mont Cristal avant, je m'y attendais. Je me suis dit, 4 pipous au même endroit, il y a une merde. Là, c'était... Non, non, je l'ai senti venir. Bon, bah, le rêveur endormi, hein. Allez. Je suis désolée, mais... Va falloir que je m'occupe de toi. C'est moi ou on dirait les cornes du Hollow Knight en arrière-plan, là? Ces espèces d'arches. On dirait, hein. Pour la couver, pour enfant. Échange honnête. Tout donner pour elle. Ça me fait mal au cœur de la buter, elle. C'est juste une mère qui voulait protéger sa gamine, quoi. Les pipous méchants disent avec les guions des rêves tués et les gentilles maisons. Ah, j'ai pas passé les pipous à les guions des rêves. Faut quand même pas rêver. Bon, ben, je suis désolée. En plus, ça me ramène pas d'âme. C'est très beau, mais c'est triste. Ils voulaient juste protéger leur royaume. Bon, par contre, on est d'accord, le plan du roi, il pue un peu la merde, mais bon. Ah oui, d'ailleurs, si j'avais posté un lien, je crois, sur mon Discord, mais... Tiens, je viens de voir que mon bout d'overlay, il est complètement mal centré. Ok. Je vais me noter de le décaler d'un pixel vers le bas et d'un pixel vers la droite. Ok. Mais je ferai ça après. Ah bah oui, c'est vrai qu'elle, elle est là. Salut, Sorek. Alors tu as tué la bête. Tu avances vers cette destinée inévitable. Normalement, je n'aurais pas tenté d'empêcher que tout cela se produise. Mais cela me fait souffrir de rester sans rien faire en toute connaissance de cause. Quoi ? Tu t'imagines que je suis sans cœur ? Mais je ne suis pas complètement dépourvue de sentiments. Nous ne choisissons pas nos mères, ni les circonstances dans lesquelles nous sommes nés. Malgré tous les maux de ce monde, je suis reconnaissante de la vie qu'elle m'a donnée. C'est une dette importante que je lui dois. C'est en lui permettant de s'éteindre et en prenant le fardeau de l'avenir à sa place que je pourrai commencer à rembourser ma dette. Sauve-toi, fantôme. Accorde-moi un moment de solitude avant que cette chambre ne devienne un sanctuaire pour toujours. Mère, pardonnez mon inaction, mais il existe peut-être une autre voie. Une autre voie, elle pue un peu pour nous, mais... Bah ouais, j'ai buté sa mère, je sais. Enfin, maintenant, je sais, à l'époque, je savais pas que c'était sa maman, même si son dialogue, là, il est assez parlant, je trouve. Mais j'aime beaucoup Ornette. La jolie corne. Bref. Mais je suis désolée, Ornette. Je suis vraiment très désolée pour toi. Maintenant, si je pouvais trouver la sortie, ce serait cool. Mais je l'ai pas buté, lui. Ah non, mais ils ont repop. Ils ont pas repop, ces crétins, quand même. Oh, je suis perdue. Où quelle est la sortie? Il doit être quelque part dans le coin, hein? Je me trompe pas. C'est pas à gauche, la sortie. Alors, l'entrée était à gauche, mais il y a une sortie où il y a un banc, normalement. Bien sûr. Bon. Bon, lui, par contre, je vais le récupérer. Même si, techniquement, le journal du chasseur, je l'ai déjà fait. Ça fait 2 heures que j'ai lancé live. What ? Même un peu plus. Presque 3 heures. France. Là, il y a du pognon, quoi. Je suis pas encore allée là, on est d'accord, il y avait du pognon. Mais je crois que le banc, c'est plus genre en bas à droite. Ça doit être là.
Je pense que c'est là. Non. Ah. Ah. Bah non, je peux encore arrêter, pourquoi? T'as toujours tellement pressé que j'arrête, en fait. C'est assez marrant, je sais pas pourquoi. Ou alors tu veux savoir quand j'arrête pour savoir qui raid, peut-être. Mais pour l'instant, d'abord, j'ai trouvé la sortie. Oui, tout se ressemble. En fait, ce qui est super stressant, c'est que à cause des toiles d'araignées, je crois toujours que c'est des fentes dans les murs hein, et que c'est des murs, tu sais, fissurés comme ça, que où il y a des... Ah! Des trucs cachés. Je vais y arriver. Je vous assure que je vais y arriver. Il est où ce banc? Je sais qu'il y a un passage, dans mon souvenir, c'est en bas à droite de la zone. Mais c'est pas ici, du coup. Je suis perdue. C'est un trompe-l'œil, c'est ça, c'est exactement ça. Ah merde. Je voulais passer au travers, j'ai un peu raté mon coup. Mais elle est où, cette sortie? Je suis déjà passée par là, moi. Et dans mon souvenir, fallait descendre à droite en venant de chez Hera. Voilà. Parce que c'était assez logique de passer... Enfin... Tu arrivais par la gauche et tu revenais par la droite. Enfin, tu ressortais par la droite, ça me paraissait logique. Mais... Parce que si je reviens vers le début... Bah, y a les ceux qui filent les patates de forain, là. Mais tu vois, voilà, le début, il est là, mais y a pas de sortie. Alors, j'ai cherché, j'ai le site, mais j'ai pas encore joué. Je t'avoue que là c'était assez... J'avais pas mal de... J'étais assez fatiguée en fin de journée. J'ai fait un peu de Dead Cells, mais... Enfin, en fin de journée, mercredi et jeudi, j'ai pas vraiment fait plus. Il est où, ce banc? Je vais remonter, on va passer méthodiquement. Là, il y avait ce truc-là où j'étais pas encore allée. Bah non, attends, est-ce que c'est là-bas qu'il y a quelque chose? Ah! Bonsoir, on est d'accord, la main du roi, c'est terrible. Oui, Yumeko, on est d'accord. Mais surtout que... avant ça, j'ai fait la gardienne. Et puis... La gardienne, je lui ai roulé dessus, quoi. Mais genre grave. Il est où, ce banc de mes... Pardon. Enfin, je dis le banc parce que je sais que le banc est juste avant la sortie, on est d'accord. Ah, il y avait le pipou. Je suis perdue. Je sais pas comment on sort de ce truc. Voilà, on est d'accord. On arrive par la gauche. Je pense que c'est en haut à gauche. Ah, on va essayer. Et là, il n'y a rien. Non, il n'y a rien non plus. Bah par contre, il y avait de la thune que j'ai pas encore trouvée. On est d'accord. Du coup, Yumeko, j'espère que ça s'est bien passé pour toi, ta journée. Je l'ai pas déjà buté, lui? Ça, je sais pas ce que c'est. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est, ce truc? Je peux pas le passer à l'aiguillon des rêves parce que je peux pas grimper dessus. On est d'accord? Faut que tu descendes. Ouais, j'ai le souvenir, il faut que j'aille quelque part. Moi, dans mon souvenir, c'est en bas à droite. Ah! Bravo! Aïe, je suis pas assez vite. C'était pas assez rapide. C'est pas, les inondations sont pas arrivées en ville, donc je suis allée bosser, puis j'ai fait que préparer mes affaires pour les vacances. Jusqu'à maintenant, je suis éclatée. Ah bah oui, tu pars en vacances, t'as dit. Je sais pas si c'est demain. Mais c'est ce week-end, hein. L'autre fois, tu disais, tu vas aller préparer ton sac avant ou après le stream, je sais plus. Bon, écoute, moi, c'était une journée fatigante, mais bon, toutes mes journées au boulot sont fatigantes de façon générale, donc en fait, ça change rien. Je commence à avoir l'habitude. Je sais...
Ah. Non. Serait-ce par là? Voilà. Bon, j'ai vu le banc, je suis pas allée sauvegarder, mais c'est pas grave. Voilà. Tout est frais, je suis fraîche comme jamais sur le papier. Yeah. Non. Quoique. Est-ce que je descends? Est-ce que je descends ou est-ce que j'ai la feigne? Des fois t'as de bonnes journées boulot comme des moins bonnes. Ouais, moi c'est surtout elles sont... C'est pas que c'est pourri, c'est que c'est busy en fait. C'est plus ça. Je vais juste aller me soigner un tout petit peu quand même. On va aller là. Il y a de l'âme à récupérer. Et puis après je descends parce que... Ni profond, je me méfie. Je me méfie, mais grave, quoi. J'aime bien, il met la carte à jour, alors que techniquement... C'est pas comme si je pouvais faire quoi que ce soit avec la carte de cette pièce, hein, on est d'accord. Seulement un réceptacle, bon, disons, pour... C'est un petit peu... Ouais. Bradin, là. Allez, on va aller voir la sage-femme. Alors c'est comme ça qu'elle s'appelle. L'araignée chelou là qui a tout le temps faim. Pourquoi il n'y a pas de banc dans cette station? Oui. Oui. Bon, je croyais d'abord qu'il y avait des tentacules ou des trucs là en bas, mais en fait c'est juste de la flotte quoi. Ouais, elle est un peu flippante, mais je l'aime bien. Elle a beaucoup de lore à te raconter. J'ai encore le charme équipé. Je crois qu'elle est là. Hein. Ah! Tiens, partez! Mary Marlowe, dommage. Oh, s'il vous plaît, ne soyez pas timide. Il y a bien quelques méchants dans le coin, mais je n'en suis pas une. Je suis une amie de tous et heureuse de servir un voyageur aussi audacieux que vous. Recherchez-vous des informations? Cela, je peux vous en fournir. Oh, oui. Ce village juste au-dessus d'ici est la maison d'une triste créature. Son histoire est celle d'un échange tragique. Cela lui en a coûté très cher, ainsi qu'à son peuple. Même si je soupçonne qu'elle n'a aucun regret pour l'avoir fait. Oui, je sais, vous êtes intriguée. Vous voulez connaître le reste de l'histoire? Eh bien, je suis désolée. J'aimerais la raconter, mais je suis vraiment désolée. Je n'ai rien mangé depuis un certain temps. Et oh, je meurs de faim! Pardon, je m'y attends, mais... Giroquake... Je note. Giroquake... Je garantis pas de m'en rappeler, mais je note. Ah. Comment on va la faire réapparaître? Est-ce qu'il faut juste que je rentre? Comment on la fait réapparaître, elle? Bon. Les autres fois, j'étais pas morte, mais enfin bon, je sais plus comment j'avais fait. Ah. Bon, ben, c'est parti pour les patates de forain. Hein. Mais non, reviens! J'aimerais bien qu'il reste au-dessus de moi. J'ai rien dit. Let's go! Ouais, mais comment on y retourne chez la... C'est pas ici. Je veux juste ouvrir ce truc, merci. Là, il y a plein de passages à ouvrir, ça faut que je m'en rappelle. Ah, c'est dans l'autre sens, d'accord.
Donc non, il n'y a pas de plein de passages à ouvrir en fait. Non du tout, ça pue. Bon, et tant pis pour la sage-femme, on verra. Elle réapparaît quand tu meurs, je crois. Ouais, d'accord, j'ai pas spécialement envie de mourir juste pour lui causer, donc... Bon, on lui parlera si je reviens ici un jour. Du coup, il y a un passage que j'ai pas ouvert, mais tant pis. Il y a pas des pointes là en bas? Si. Mais... Je me suis crouté dessus tout à l'heure, vous pensez bien, depuis 10 minutes, j'ai déjà oublié. Hein. Alors là... J'ai l'impression que mon cerveau occulte cette zone, du genre... J'oublie complètement ce qui s'y passe, par traumatisme en fait. C'est intéressant, on va dire. Mais c'est pas grave. L'essentiel c'est de survivre, hein, n'est-ce pas? D'une façon ou d'une autre. J'avais dit les routes, hein, pas que j'oublie. Puisque ça c'est une zone que je n'avais pas faite. Un trauma lié à Hollow Knight, mais trop quoi. C'est... Ouais, là du coup j'ai pas spécialement envie de mourir pour aller chez la sage-femme, on est d'accord. J'ai pas encore des trucs à acheter chez Sly. Voilà. Il y avait un charme que j'avais pas pris, je crois pour 300 balles ou un truc comme ça. Je vais faire ça, hein, comme ça c'est fait, parce que sinon j'oublie. Et après on va aller voir ce passage. Et peut-être le chevalier, qui sait. En vrai, il y a plein de jeux qui ont traumatisé des gens. Moi, j'ai pas envie d'aller chez Zoot. Ça me traumatise. Voilà. Il faut que je garde du pognon pour ces trucs-là. Ah, mais attendez, c'était 900 balles pour l'autre. Ah bon, tant pis. Non, j'ai pas assez de jeux, il me fallait 900. Enfin, 1500 pour le bout de masque et 900 pour le bout de réceptacle d'âme. Mais en fait, j'y suis presque au deuxième réceptacle. Donc ce serait pas... Si je pouvais, ce serait cool, quoi. Bon, bah écoutez, on va essayer de faire ça. Oh, la première fois, je m'étais fait bolosser dans la salle des aspides. Mais genre, j'avais pas compris parce que je suis revenue une demi-heure plus tard, à froid. Et il n'y avait plus aucun problème. Ah mais non, attendez, c'est... Non, deux coups, c'est au Colisée, quand je suis équipée pour. J'avais oublié ce détail. Parce que j'oublie tout dans ce jeu, c'est hallucinant. C'est pas comme si j'y jouais régulièrement. Maintenant, effectivement, je n'ai point assez de JO. Voilà, va crever en bas. Est-ce que vous aussi, ce machin-là, vous vous appelez ça le gros caillou? Alors que c'est pas un caillou. Mais... Moi, j'appelais ça un gros caillou. Non, c'est pas ici. C'est là, hein. C'est ça, c'est ça. Salle des aspides, j'ai galéré aussi. Mais ouais, alors qu'en fait, c'est pas... C'est pas si difficile, mais... Bah, c'est juste... C'est juste la salle des aspides, quoi. Je crois que ça surprend, c'est ça. Des brutes. Ouais. La première fois, moi, j'avais trouvé qu'on aurait dit un gros caillou qui faisait un peu... Tu sais, qui faisait la tête, comme ça. Et je crois que du coup, ça m'est resté. Bon, d'accord. Ouais, si je commence comme ça, ça va pas le faire, hein. Voilà. Ils sont où les bébés? Ah, ils viennent pas! Ah, ils sont tombés dans les pointes! Je crois que c'était ici, hein. C'est ça. C'est là.
là, il y aura les bébés. Ah, j'en ai raté un. C'est vrai que voilà, il y en a plein qui apparaissent et du coup, on se fait vite avoir pour pas grand-chose. Là, j'ai du bol sur celui-là. Je sais pas si c'est une bonne idée de me rester là en bas, mais bon. Voilà, les bébés, ils me sont tombés dessus. Mais voilà, on est d'accord, j'ai pris des dégâts, mais c'est pas... Les aspides, les trucs oranges qu'elles ont en bas, c'est de l'infection, on est d'accord. Oui, bah oui, oui, c'est comme ça que je le comprends aussi, ouais. Voilà, je sais pas pourquoi la première fois, j'étais... Ça m'a surprise, j'ai paniqué, puis après j'étais « Ah, j'ai perdu mes géos, ah, je panique et tout. » Donc combien j'ai de charme maintenant? Ah bah, ah ouais, quand même! Ah ouais! Celui-là, faut que j'aille penser à récupérer, mais celui-là, j'irai le prendre quand j'aurai le portail. Tranquillou. Pour l'instant, j'ai pas le portail, je sais plus si c'est à 900 ou à 1200. Je ne suis pas tombé dans les pics, tu as raison. Tu as raison. C'est suffisamment rare, ça vaut la peine d'être mentionné, on est d'accord. Y a pas encore des trucs à buter ici? Ah non, bon, ils sont tous partis. Ah mais en fait c'est ça, c'est les aspides qui sont là, qui t'arrivent tous dans la face quoi. Ah, 900 pour le portail, ah cool, alors 1200 c'est quoi? Y a un truc à 1200, 1800 c'est l'éveil complet. Y'a pas un kamikaze dans le coin? Bien ce qui me semblait. Ouais, bon, mais écoutez, si c'est 900 le portail. Écoutez, je suis assez tentée quand même. C'est surtout Zod qui me bottait pas, mais là. Et voilà, par contre, on va pas jouer. On va les laisser en vie, le minerai pâle. Il est où de nouveau lui? Pour le... Ah pour le proche disparu, il y avait un raccourci. Ah ouais, d'accord, donc c'était vers là aussi. Je vais quand même essayer. Faut juste que je fasse gaffe. Je voulais y passer au travers, mais... D'accord. En fait, son pattern, il est pas différent, c'est juste qu'il fera plus vite et plus fort, il me semble. Voilà, restez là, vous. Je veux de l'âme. Mon frère, réveille-toi, aide-moi. Première partie, je les ai butés, j'aurais pas dû, parce que c'est des réservoirs. C'est genre des... bons sang de réservoirs. Bon, par contre, ils sont très cons. Ils sont cons comme la lune, ces trucs. Genre grave. Voilà, c'est ça que je voulais pas, dont je parlais. Hein. Il fait deux corps des dégâts. Ouais, faut pas se laisser frapper, quoi, c'est tout. Voilà. Superbe carapace, elle m'appartient. D'accord. Ok. Bon, ça c'est un peu con, mais c'est pas grave. Aïe. J'ai un peu fait le con là. Non! C'est tous tués. Ah, les petits machins là. Bah moi aussi la première fois. Et j'avais pas percuté que je pouvais juste les Dream Nail pour de l'âme. Même si en vrai, enfin oui, si ça permet de lui bourrer des sorts dès le début. Il y a ça. Oh non 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 non. Ils sont rigolos, ils sont cons comme leurs pieds, mais ils sont rigolos. Mm.
Non, en vrai, je pense que le chevalier, ils sont pas, il est pas si dur que ça. Faut juste que je me méfie. Genre là, comme ça, ça va, quoi. Ah, d'accord. Là, il va frapper. Ah! Voilà, comme ça, ça va. Combien de fois je peux le Dream Nail avant que... Ah zut! J'ai pas réagi assez vite. Ah non, non, non. Je vois ce qu'il fait, mais j'ai du mal à anticiper ses sauts. Mais non, reviens! Non! Oh non, je sais buter! Ah, j'ai... Non mais non, je l'ai buté avec le dash! Faut que je fasse gaffe à ça. C'est vrai qu'il est très con. Je peux pas dire le contraire. Non, ce serait bien que je puisse récupérer les essences qu'il y a dessus, ça par contre. J'ai déjà buté le proche disparu, je crois, hein. Ils ont pas de vie, c'est fou. Ouais, ouais, non mais c'est... bah, c'est des asticots, hein. Mais... Y a rien là-dedans, c'est tout mou. Ah voilà, là j'ai mal anticipé. Ok. Jusque là tout va bien. Ok. Qu'est-ce que j'ai foutu là? Là il va me refaire son truc. Ok. Ok. Les boules qui tombent, par contre, elles m'embêtent un peu, faut être honnête. Zut. J'aurais. Voilà, voilà. C'est ça, il rapporte 300 d'essence. Bon. Oh, yonk! Pas très rapide. En même temps, je devrais le bourrer avec des sorts au début. Je pense que ce serait plus efficace que juste à l'aiguillon. Puis j'adore les bruits qu'ils font, quoi. Bon, finalement, si, je fais quand même le chevalier, hein. J'étais pas motivée parce que je voulais d'abord finir Hera, mais maintenant que c'est fait... Mon premier rêveur dans cette partie. Ah! Zut. Alors, si je saute pas, ça va pas le faire. Voilà, je fais n'importe quoi. Non, mais c'est pas vrai. D'accord. Je fais un peu de la merde, faut dire ce qui est. Ouh! En fait, c'est ça, je crois que j'ai dashé pour le rattraper plus vite et je suis passé au travers. Ah, c'était nul. Ben, en vrai, le faux chevalier dans ma première game, j'avais utilisé une tactique tellement naze. Je veux pas le refaire cette fois. Parce que j'imagine que je vais devoir me le refaire au Panthéon tôt ou tard. Et je sais pas pourquoi, mais vaut mieux que j'apprenne à le battre. Bizarrement. Non, par contre, je lis pas toujours très bien son pattern. Voilà, genre là. Non mais c'est pas vrai. Là j'ai fait de la merde. Là j'ai fait de la merde totale. Quoi comme technique, j'avais équipé, je crois, le charme des araignées justement.
Et je restais accrochée en haut avec le cristal d'âche. Et je laissais les araignées faire le boulot et je redescendais juste quand il était à terre pour le frapper à l'aiguillon, quoi. C'était absolument nul comme technique. C'était... Ça marche, mais c'est débile, quoi. Donc je voudrais quand même essayer de le battre à la régulière, on va dire. Même si, voilà, là, j'ai passé les 3 heures de la barre des 3 heures de stream, donc c'est possible que je suis un petit peu fatiguée. Mais ça n'empêche pas d'essayer un peu ce soir, et puis... ouais, bah si je lui fonce dedans... Voilà, j'ai zéro réflexe, là. Hein. Là, il va faire ça. Il y a toujours des trucs qui tombent, là, qui m'embêtent. Bon. Je réessaie celui-là une prochaine fois, parce que... Là... Je pense que ça sent la fatigue. Mais il n'est pas difficile. Enfin, je pense. Ce truc est vraiment con. Mais genre grave. C'est... Ouais, ce que je disais, il n'est pas difficile. Genre, ses patterns sont hyper basiques. C'est juste... voilà, quoi. Coucou, Bob Super Tomate, comment ça va chez toi? J'espère que tu as passé une bonne semaine. Ouais, j'ai essayé un petit peu là le chevalier version rêve. Il y a ses petits frères, j'ai laissé un de ses petits frères en vie pour lui piquer de l'âme. Ils sont juste débiles comme tout, quoi. Alors lui, il va me foncer dessus. Faudrait que je trouve où je peux me faire 200 balles. Ah bah je sais où je peux me faire du pognon. Non, cassez-vous. On est sur une semaine très dure, mon tabon, qu'on va pas en parler. Ok, je ne te pose pas de questions, je comprends. Bah écoute, moi j'avais... Moi c'est busy au boulot, donc... Oui, c'est vrai. C'est pas ici. Coucou Django Furious, bonsoir à toi. Ah. J'avais oublié ce détail. Je l'avais oublié, lui. Le bruit qu'ils font, c'est juste dégueulasse. Donc ouais, voilà, moi c'était busy au niveau du boulot, et puis... ça aurait pu être pire, mais c'est juste, c'est fatigant, effectivement, mentalement, parce que, bah, faut beaucoup de concentration. Donc du coup, j'avais un créneau, je pourrais plus streamer mercredi soir, et finalement, le temps que je rentre... j'étais juste complètement à plat, et je me suis dit, c'est pas la peine, quoi. Ah, oui, non, on va pas aller voir Myla parce que ça va me déprimer. On va juste me déprimer. Je vais aller me faire un petit peu de pognon. On avait dit 900 balles. Lui, il a encore envie. Super. Ouais. On n'est pas loin, hein. On n'est pas loin. Oh, en profiter pour les buter ceux-là tant que j'y suis. Graines de vie, j'ai tout. Ah non, il m'en manque encore deux. Je sais plus comment ils s'appellent ceux-là, les petites graines d'infection. Enfin bon. Ouais, je cherche donc 900 balles pour compléter mon deuxième réceptacle d'âme. Parce qu'en fait, c'est juste ça que je veux. Y'a pas encore un endroit où je peux récupérer de la thune? Ah, mais si, ceux-là, ils rapportent bien, en fait. Voilà, on va faire ça comme ça. Bah voilà. Bah, je les ai. Je vais aller acheter mon bout de réceptacle. Hein, comme ça, c'est fait. Voilà. Que comme dit... Avoir un petit peu plus d'âme avant de faire les jardins, ce sera pas négligeable. Ah, mais non, c'est pas là. Sinon, ouais, je peux aller faire le Colisée. J'ai pas encore fait le Colisée 2 sur cette game.
Je sais, ça sointe la motivation, là. C'est, on la sent, elle est forte, elle est puissante, elle est dure. Mais... C'est un minerai pâle, d'ailleurs. Alors, Colisée 2, c'est un minerai pâle. Où est-ce qu'il y a le troisième ? Est-ce qu'il y a... Après ça, je pourrais faire la dernière upgrade. Voilà. Fragment de réceptacle. Je vais me sentir un peu mieux comme ça. Il n'y a pas à dire. Le Colisée, le retour. Bah, c'est le Colisée 2, c'est pas le 3. Mais... Avec le papillon nuit. Papillon nuit ? Au Colisée ? Colisée 2, il y a un papillon nuit ? ...1200 essence, hein ? Marcotte ? J'ai pas fait Marcotte ? Bon, c'est une purge, mais... Avec Pavioni, quand tu as 1200 essence... Ok. Oui, pardon, ok, ouais. Parce que je lisais le Colisée, le retour, avec le papillon de nuit, et j'étais là... Y a un papillon de nuit au Colisée ? Mais non, non, ouais, je vois, 1200 essence, donc c'est ça... C'est ça les 1200 auxquels je pensais, d'accord. Avec tout ça... Ah, j'ai le nez qui me gratte. Je peux pas compléter la fontaine. Ça, j'ai récupéré. En vrai, par contre, je pense jamais à un truc, c'est que je pourrais aller vendre mes merdes chez Lem. Si vraiment je veux du pognon. Allez, va quand même retenter un peu le Colisée. J'ai récupéré la... Ouais, ça c'est fait. Non, c'est pas ici. Où est-ce que c'était ? Marcotte ! J'avais dit Marcotte, tu as raison. Comme ça, je vais essayer d'avoir les 900. Marcotte, en vrai... Où est-ce qu'il est de nouveau ? Marcotte, il est là. Donc je passerai au banc. Je passerai au banc là-bas et je regarderai mes charmes. Je crois que c'était Kuro Fuji sur son stream. Où il cherchait ce truc. Ah, ça c'est la tour. Il cherchait à aller aux frontières du royaume et je sais plus. On lui a filé des infos et moi je lui ai dit « Ah, la station du roi, c'est un bon endroit où commencer à chercher. » Il a tourné en rond pendant je sais pas combien de temps. Et... Donc c'est un autre streamer, hein, on est d'accord. Et puis au final, il a enfin trouvé le machin, mais genre 2 heures plus tard. Quoi. Non, il est pas difficile. C'est juste... Bon bah... On va passer par en dessous, hein. Pauvre. Du pognon! Revenez le pognon! Revenez! Du pognon! Non, pardon. Je suis un peu en train de m'exciter. Crève. Crève! Pourriture d'aspid! Pardon. Je supporte pas les aspides sauvages. Je suis désolée. Il me stresse. Je crois qu'il stresse tout le monde, cela dit. Tellement de géo à se faire avec eux. Mais ouais, mais trop, quoi. Il résiste à mon sort. Non mais oh, c'est quoi ça? Espèce d'aspide. Pardon, c'est un aspide. Bah il faut que je monte. Voilà. Il va y avoir des aspides. Non mais sérieusement, ces trucs c'est des purges. Donc Marcotte il est là. Je vais juste passer au banc qui est en haut. Oh, une pointe. Quelle surprise. Oh, une autre pointe. Que de surprises ce soir. Encore des pointes.
Je m'y attendais décidément pas du tout. Hein. Pardon, je suis très... Ils sont cheatés de fou, quoi. Non, mais c'est hallucinant parce que leur la trajectoire de leur boule est prévisible. Mais en même temps, elle change selon ta position à toi. Et du coup, elle devient imprévisible. Bon, lui, je vais lui faire un sort avant qu'il me tombe dessus. Parce que je le sens venir. Donc je disais, oh, des aspides! Quelle surprise! Ou là, par contre, eux, j'avais pas fait gaffe. Est-ce que je peux monter là? Ouais. Pfff. Mais non. Ce jeu me troll. Je vous jure, ce jeu me troll. Y'a quoi ici? Des aspides! Encore des aspides! Oh, que de surprise! Ah, décidément. Je vais finir par cro... Non mais sérieux, là. Non mais sérieux! Ils sont hyper durs pour des amis qu'on croise souvent, mais oui! Et de la boule dans le tas de cendres! Mais j'en peux plus de ces trucs. En vrai, est-ce que c'est bien? Bah non, c'est pas du tout là que je dois aller. En plus. C'est là. Voilà. Je vais peut-être regretter cette absence d'âme. Mais qu'est-ce que ça faisait du bien? Franchement. Là, ça faisait du bien. Voilà. Nao joue en la stupéfaction. Ouais, c'est jeu d'acteur sur 20. Hein. C'est trop bien. Ils racontent quoi, eux? Cendre piégée. Ah! Ouais. Ben, je sais pas pourquoi ils étaient piégés. Je pense qu'ils ont été piégés entre la cendre et les aspides. C'est surtout ça. En vrai, je suis en train de me dire le banc du côté de... Ouais, mais non. L'autre banc, il aurait été puant aussi, de toute façon. C'est pas une seule fois sans prendre des dégâts. Pas une seule fois. Voilà! Ça, c'était jouissif. Ça, c'était de la satisfaction. Ça m'a fait du bien. Ah, merci, Chéo, pour ta technique d'aiguillon que j'ai récupérée en début de soirée. C'était bien. Je crois pas que c'est là que je dois aller. Voilà. Je sais que j'ai pris des dégâts pour essayer de caser ce truc. Mais ce n'est pas grave. Il y a quoi là-dedans? Un truc que j'ai déjà récupéré? Ok. Pourquoi j'ai l'impression qu'il y avait un truc caché là-dedans? Base des aspides, c'est chiant. Mais en plus, pendant le Colisée, c'est un enfer. Oui, bah au Colisée 3, je perds énormément de life sur ces phases où il y a des aspides. Et pour de la merde en plus, quoi, c'est... Ah, il est là, Marcotte. Je rêve pas. J'ai oublié de changer mes charmes. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai comme charme? Ça, contre Marcotte, je sais pas, hein. Bon, on va faire avec, parce que fait flemme. Et si ça va pas, je mourrai et j'irai le changer. Vous avez parcouru un long chemin juste pour mourir ici, au bout du monde. Ne dites rien. J'ai déjà entendu des milliers de belles paroles par d'autres comme vous. Votre fierté, vos désirs, votre désespoir, ce ne sont que des choses que vous emporterez avec vous dans la tombe une fois que je vous aurai abattu. Fou, dégainez votre arme et mourrez comme ceux qui sont venus avant vous. Et il y a aussi Maître U que je pourrais faire à l'occasion. Ah oui, d'accord, j'avais complètement oublié son pattern déjà.
Ok. Je vais me faire frapper. Je devrais pas me faire... Non, ok. Ne pas essayer de se soigner. Non, je vais crever sur lui. Hein. Ouais. C'est pas utile, on est d'accord. On est d'accord, c'est pour ça que j'ai dit si je crève, je le change. Mais j'avais complètement oublié. Alors, Marcotte. Bon, ça, c'est pas utile non plus. La boussole, je vais la garder parce que sinon, je me perds. Je vous laisse, bon stream et bonne soirée à tous. Bah, bonne soirée à toi, Noah, merci d'être passé. Et bon, j'ai quand même encore essayé un peu Marcotte parce que voilà, j'aime pas m'arrêter là-dessus. Marcotte. Marcotte. Qu'est-ce que je vais mettre là-dessus? Je vais essayer de le choper au sort. Bon courage pour Marcotte, bah merci. On va bien voir, hein. On va bien voir ce que ça donne. Faut surtout que j'y aille rapidement parce que j'ai pas envie de perdre mon temps sur les aspides à la noix. Bon, le problème c'est qu'ils vont me suivre jusqu'au bout du monde, hein, on est d'accord. Il est là, Marcotte? Non, bien sûr que non, il est pas là. Je le savais, hein. Je vous dis qu'ils vous suivent jusqu'à la mort. Ah! Ces trucs sont des merdes absolues. Je vous assure, ce sont des merdes absolues. Voilà. Viens là me faire un petit peu d'âme, toi. Voilà, encore un petit dernier. Ah bah oui, maintenant faut que je pense à récupérer la tutune, forcément. Puisque j'ai enlevé le charme qui la ramasse automatiquement. Ah oui, mon fantôme étant dans la salle. Bon, Batman, il s'est pas visé. C'est 4 coups d'aiguillon maintenant? Ok. Ah, mais si je vois pas ses épées arriver, ça va pas le faire, hein. Ouais, y a que pendant sa phase de bouclier que je pourrais me soigner en fait. Ok. Ouh. J'ai eu chaud là. Il y a 2 boucliers maintenant, ouais, c'est ça. Je les ai encore ratés, ces lames. Je vais encore me refaire crever là-dessus. Ouais, bah voilà. C'est vrai que Marcotte, il saoule un peu, quoi. C'est pas... En fait, c'est surtout pour aller chez Marcotte que c'est saoulant, quoi. Je peux pas dire autrement. Limite, je préférais me retaper Hornet, en fait. Voilà, un aspide de moins sur cette terre. Ceci était une bonne chose de faite. Ok. Technique du planqué pour battre les aspides. Pff, quand c'est pas un aspide, c'est une pointe. Oh. Mais non, mais sérieux là.
Là, il me saoule. Il me saoule, les aspides. Et voilà pourquoi je voulais deux réceptacles d'âme, parce que dans ce genre de circonstances, on est très content de les avoir. Mais genre bien. Bah, je vais attendre les réservoirs d'âme et de pognon qui sont là. Viendez, les petits, viendez. Où est-ce que vous êtes? Ils sont loin. Ils sont là. Ils arrivent. Le pognon arrive. Voilà. Ouais, bah finalement, j'aurais peut-être... Quand j'aurai fini tout ça, j'aurai de quoi acheter mon... mon machin, là, de... Aiguille de masque. Si ça continue. Allez, Batman. Mais non. Ah là là. Allez, on essaie encore une fois. Non! Qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai fait plusieurs dégâts. Ah zut. Zut! Faut que je dash! Faut que je pense à dash! Ça pourrait être cool. C'est pas parce que je n'ai plus l'autre que... Bon, là faut que je me soigne un peu, on va en profiter. Oula, faille. Non, là je l'ai pris. Je suis pas en... Il est pas encore en P2, hein. Ah! Ah non! Ah, la couillonnade. La couillonnade. Ok. Je vais essayer de me soigner. C'est pas terrible. J'aime pas cette tactique de... Je l'ai eu, mais il m'a eu aussi, zut. Là j'ai bourriné, j'aurais pas dû. Là, je pense que je vais me faire coincer dans le coin. Ah non, même pas. Je vais me faire buter. Je le savais, j'aurais pas dû faire ça. Ah, pourquoi? Pourquoi j'essaye de me soigner en dehors des phases où je peux me soigner? Je devrais le savoir depuis le temps. Je devrais vraiment le savoir. Je pense que c'est un réflexe de panique où on se dit qu'il faut se soigner parce qu'il reste plus qu'un masque. Et en fait, c'est une grave erreur tactique. Viens, toi. Viens là. Viens là. Non, il veut pas. Voilà. Les aspides. C'est la mort du fun. Non mais, je vais me faire crever avant, hein. Bon, je crois que là, ça sent la fatigue, donc je vais aller me soigner, je vais récupérer mon âme, et je pense que je vais aller faire autre chose. Ça sent vraiment, vraiment trop la fatigue. C'est même une frappe vers le bas, sérieux. Même une frappe vers le bas. Là j'ai grid, hein. J'ai grid les petits sautillards. Regardez, il y a une pointe. J'ai évité la pointe. Je me sens fière. Je me sens très très fière d'avoir évité ce truc. Ah non, mais les aspides. Team Cherry pour avoir inventé les aspides. Il mérite qu'on les frappe des fois. Je vous jure.
J'aurais bien voulu quand même me friter, finir Marcotte ce soir, parce que... avoir les 900 là pour le portail, ça ce serait cool. Ça ce serait vraiment vraiment très très cool. Bon, heureusement j'ai un deuxième réservoir du coup. Ah, avec à me retenter. En fait, je peux pas l'avoir à travers de la plateforme, ce serait plus simple. Puisque lui, il passe pas avec son sort. Allez, Batman! Mais quelque part, dans mon autre partie, je regrette ce Batman complètement pété qui essaye de m'attaquer à chaque fois. Zut. Mais non! Mais non! Qu'est-ce que... Oh non, je fais n'importe quoi. Je fais nimp. Mais genre, je fais grave nimp. Oh non, non, mais là, ok. Je récupère mon corps une dernière fois et j'arrête parce que là, je peux plus. Je fais n'importe quoi et ça va plus. Parce que je pense que je vais crever, hein, je me fais pas d'illusions. Ah, j'ai pas de quoi me soigner là. Oh non! Ah ouais, non, je fais nimp. Voilà. Je vais récupérer puis je vais arrêter Marcotte parce que là. Non, là ça va plus. J'ai plus de concentration et franchement, ça se sent. Enfin, pour moi, je trouve que ça se sent parce que j'ai. Quand je dis plus de concentration, c'est limite, je ne vois même pas les attaques en fait. Voilà, un aspide de moins. Ok. Ouais. Puis faut être honnête, les aspides ça me saoule. Ça me saoule grave. Comme ça saoule tout le monde. Parce que ce sont des aspides. C'est terrible hein. C'est terrible ces trucs. Ils sont à tête chercheuse. C'est pas possible, ils sont à tête chercheuse. Vous pouvez tomber n'importe où. Ça vous tombera dessus. Ça vous tombera dessus, je vous le garantis. Faites l'expérience. Si vous jouez à Hollow Knight aussi, faites l'expérience. Et ça, vous verrez. Vous faites n'importe quoi, vous placez n'importe où. Les boules d'infection vous tomberont dessus. C'est absolument magique. Bon, donc j'avais dit, je vais récupérer mon cadavre. Hein, et en fait, il n'y a pas autre chose que je voulais encore faire. Je suis pas sûre. Ouais, je suis pas sûre. On va récupérer Batman. Viens là, viens là. Viens là, 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 là. Voilà. Si je me déco maintenant, je réapparais au banc, je réapparais pas ici. Hein. Ah, c'est, je sais pas. J'ai jamais essayé en fait de me déco ailleurs que sur un banc, mais je pense que oui. Alors, il fallait aussi que je me rappelle de... Qu'est-ce qu'il fallait que je me rappelle? Je ne sais plus. Décaler mon overlay, je m'étais noté. J'ai un vieux doute. Il fallait pas que je fasse quelque chose? Il fallait pas que je fasse quelque chose, moi? Oui, j'arrive plus à me rappeler. J'arrive plus à me rappeler. Il fallait que je fasse quelque chose, je ne sais plus ce que c'était.
Je sais plus. Ok, ouais, non, je sais plus du tout. Je crois que je suis vraiment fatiguée. Est-ce qu'on passe chez quelqu'un ou pas? Ou est-ce que pour une fois... Il y a Yumiko qui live aussi. Elle est sur quoi? Je sais pas ce qu'elle fait comme jeu par contre. Ah ouais, parce qu'elle est part en vacances pendant 10 jours. Peut-être passer chez elle vu qu'elle part en vacances. Et qu'après, comme dit, ouais, voilà, pendant une bonne dizaine de jours, il n'y aura pas de live. Enfin, j'imagine, parce qu'elle a dit qu'elle part faire ses sacs, donc je pense qu'elle part de chez elle. Écoutez, ouais, éventuellement. Pourquoi pas? Pourquoi pas faire ça? Je zappe quelque chose, je ne sais plus ce que c'est. Il y a quelque chose que je devais faire et j'arrive pas à me rappeler quoi. Donc, bah, si jamais j'ai oublié, je me ferai ça une autre fois, je sais plus. Ouais, je sais plus. Bon bah écoutez, désolé pour mon manque de mémoire. Moi ce que je vais faire, donc je vais passer chez Yumeko Fissa, parce que là je commence à être bien. Pouf, là j'ai la... l'acuité mentale qui fait n'importe quoi, j'arrive plus à parler. C'est... Bonjour, nous sommes vendredi. Enfin bonjour, je travaille. Je suis pas en vacances, donc je suis crevée. Ouais, je vais passer chez elle. Je me dis, ça devrait lui faire plaisir. La meuse redébordée, bah, ok, bah écoutez, moi je vais vous dire une très bonne soirée, donc prochain stream normalement c'est dimanche à 10h, je vais voir, est-ce que je continue mon autre game de Hollow Knight ou pas, ou est-ce que je fais autre chose que du Hollow Knight, parce que mon autre game là, voilà, c'est que des trucs endgame, c'est un peu de la purge, donc j'hésite, je sais pas du tout. Je verrai selon état de fatigue, selon degré de motivation. Et si ça se trouve, dimanche, je serai super en forme pour faire l'éternel Ordalie, qui sait. Bon bah écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. Je vais lancer le raid, je passe en scène offline. Et puis donc, rendez-vous dimanche, peut-être demain pour un Planet Zoo si j'ai rien d'autre. Mais normalement, j'ai déjà un truc de prévu demain, donc à moins que ce soit annulé, il n'y aura pas de live. Voilà, voilà. Eh bien, je vous souhaite une très bonne soirée, une bonne nuit. Et puis, à très bientôt pour le prochain stream. Bye, bye.